Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureux de vous revoir. Certains par écran interposé. Et heureux de vous revoir pour ceux qui sont présents. Je vous demanderai que chacun demande à son voisin d'éteindre son portable, s'il vous plaît. Les 100 jours du gouvernement, manifestation que nous organisons avec nos partenaires de Sciences Po Alumni, que je voudrais remercier en la personne de son président, M. Smaïl Hariki. Je voudrais aussi remercier chaleureusement la Fondation Konrad Adenauer, la présence de son président, M. Kruger Stephen. Donc, sans eux, cette manifestation n'aurait pas pu avoir lieu et je vous en remercie vivement. Je voudrais aussi remercier nos chers intervenants qui nous font plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Les 100 jours du gouvernement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Faire une évaluation de ces 100 jours, c'est une. La genèse, c'est que c'est une règle qui a été instaurée en 1933 par le président Franklin Roosevelt. L'objectif, c'était à travers une certaine série de mesures de son mandat, il voulait marquer réellement sa volonté de sortir de la fameuse crise de 1929. Au Maroc, la présentation d'un bilan, elle est encadrée par la Constitution, donc l'article 101. Et tout porte à croire que contrairement à son prédécesseur, notre chef de gouvernement, qui va présenter son bilan des 100 premiers jours, vous le verrez ce soir à la télévision. Donc, il semblerait que le chef de l'exécutif n'ait pas eu l'intention de procéder de la sorte. En d'autres termes, au cas où il a décidé réellement de le faire comme il va le faire ce soir à la télévision, il devra aussi présenter le bilan d'étape de l'action gouvernementale devant le Parlement. Le bilan de ces 100 jours, il s'articule autour des mesures de relance économique, de la généralisation de la couverture sociale et des réformes structurelles. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce bilan? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à l'actif de ce gouvernement sur ces 100 premiers jours? Donc, première action, c'est que le gouvernement a réagi assez rapidement pour la stabilité de certains prix. Donc, il a mis 16 milliards de dirhams pour soutenir le gaz butane, le sucre et la farine. Dans un deuxième temps, chose à mettre aussi à son crédit, la formation du gouvernement, qui était un tournant assez décisif, qui a été mis dans un temps assez court. Il faut aussi que mettre à l'actif de ce gouvernement par rapport à une approche qui a été marquée par une certaine efficience, une certaine efficacité, car à partir des élections ont été organisées assez rapidement. Et le Parlement a adopté la loi des finances pour 2022. Un autre point important pour ce gouvernement, 13 milliards de dirhams pour rembourser les années de TVA qui sont dues à l'État pour les entreprises privées. Il a aussi lancé le fameux programme Awrash le 12 janvier, dans le cadre des chantiers temporaires durant la période 2022-2023, avec un budget estimé à 2 milliards de dirhams. En un mois, il a présidé, le chef de gouvernement, M. Akhnous, a présidé quatre réunions de la commission des investissements, avec une certaine panoplie de projets validés, une mise totale de 22 milliards de dirhams pour 31 projets. Selon le ministre de l'Emploi, 17 000 emplois ont été créés durant ce mois-ci. La loi de finances a mis 240 milliards de dirhams qui seront consacrés à l'investissement public. Le gouvernement a fait de cette année législative surtout un pilier, le pilier social. Donc l'exécutif a, durant ces 100 jours, il y a eu 11 conseils de gouvernement et des textes de loi ont été votés. Donc une certaine série de mesures ont été votées et surtout la chose extrêmement importante, l'AMO, qui est celui des pensions qui seront données à plusieurs catégories sociales. Donc c'est 11 millions de citoyens qui vont bénéficier à partir de ce mois-ci et de manière progressive de l'assurance maladie obligatoire. Pour ce qui est du tourisme, des mesures aussi ont été prises. Suite à l'impact, il y a une bouffée d'oxygène qui a été, donc 2 milliards de dirhams ont été injectés pour pouvoir sortir le secteur de son profond
marasme. Sur le plan politique, un pacte de majorité a été signé et les voix dissonantes se sont raréfiées. L'équipe est convenablement gérée, cohérente, à part quelques sorties du ministre Rebi. Le chef de gouvernement, en grande partie, jouit d'un certain respect de ses pairs. Ce qui serait à mettre au passif de ce gouvernement. Le premier constat est très flagrant, c'est l'absence totale de communication autour des différentes mesures et des décisions. On a l'impression qu'on souhaite pas mettre le citoyen dans la confidence. Exemple, le gouvernement vient d'acter le lancement du programme Awrash, donc qui prévoit la création de 250 000 emplois sur 2 ans, avec un budget qui est assez conséquent. L'annonce a été faite sans fanfare. C'est le lancement officiel du programme s'est fait par circulaire, adressé par le chef du gouvernement aux autres membres de son équipe, et l'annonce a été faite par son service de communication. Autre élément au passif, c'est au cours de ces 100 premiers jours, le gouvernement s'est surtout distingué par le recours obstiné à la force numérique et à la réduction des rôles constitutionnels de l'opposition, ce qui porte atteinte au principe de démocratie participative et à la confiance et à l'action politique. Des rapports très limités avec la presse. Ces rapports, rappelez-vous, ses prédécesseurs étaient dans la même. Rappelez-vous, Abdeltef Filali était beaucoup plus à l'aise dans la diplomatie que dans les dossiers économiques et sociaux. Abdelrahman Youssefi, il s'intéressait beaucoup plus à la problématique constitutionnelle et à l'arsenal politique. Drejto était un homme des dossiers économiques. Abdallah Ben Kirane et l'Atmani, c'était une bonne culture religieuse, mais était complètement dépourvu de formation économique. D'où Abbas Fassi, lui, il était la voix de son maître. La maîtrise de tous les dossiers, elle requiert par rapport au chef de l'exécutif, surtout, qui n'était pas leur principal atout, par absence peut-être de formalisme ou simplement par pur intérêt. Pendant longtemps, les dossiers économiques et sociaux ont été surtout réservés à des spécialistes, aux conseillers, car c'est souvent considéré par nos élites comme moins noble que les dossiers politiques, réforme de la Constitution, bonne gouvernance, réforme de la justice et droits de l'homme. Donc, le souci, aussi exagéré qu'on pourrait dire, c'est pour ne pas empiéter sur les domaines réservés, a souvent fourni un prétexte à nos chefs de l'exécutif pour se libérer à bon compte de relations suivies avec les médias et l'opinion publique. Le leadership, autre volet, la politique après le gestionnaire, à savoir la capacité de valoriser, porter, expliquer. Pour but avec les héros et d'opinion, surtout la presse. On peut de peur de grandes ambitions. Premièrement, le grand projet social, grand projet. Et accroître la cohésion sociale. Deuxième élément, le succès de la campagne de vaccination qui a prémuni de nombreux Marocains des hécatombes et qui arrive ailleurs à devait être comme une performance et une chance pour un pays qui dit peu de moyens comme le nôtre. Et autre élément que je considère aussi important, les progrès qui sont réalisés dans l'efficacité énergétique doivent être plus valorisés car ça permettrait réellement de servir d'attrait pour les investissements internationaux en cours. Toujours sur la forme, ce gouvernement a eu un lot de couacs, la démission surprise de la ministre de la Santé, la gestion désordonnée de la communication sur l'épidémie Covid-19, le retrait du projet du code pénal, la fermeture des frontières,
alors que d'autres pays comme l'Égypte, la Turquie, concurrents directs en matière de tourisme, ne l'ont pas fait. Et sans oublier les dizaines de milliers de Marocains qui restent bloqués à l'étranger. Le secteur du tourisme, autre élément, véritable levier économique, n'est pas assez soutenu. De nombreuses entreprises sont en train de fermer boutiques. Je vous donne des statistiques, les derniers chiffres qui ont été publiés par le CRT de Marrakech, qui datent du 10 janvier, montrent que les opérateurs sont déjà en état de faillite programmée. Marrakech, par exemple, sur les 240 établissements hôteliers classés, seuls 90 reçoivent des clients, et ce uniquement le week-end. Même tendance observée auprès des restaurateurs. Sur les 355 établissements classés, seule une centaine est aujourd'hui opérationnelle. Pour leur part, les 40 établissements d'animation, boîtes de nuit, demeurent fermés depuis 2 ans. La non-ouverture des frontières porte également préjudice à l'écosystème dans son ensemble. Plus de 250 agences de voyage ont baissé rideau, tandis que 1200 maisons d'hôtes ont dû fermer faute de clients. Le transport touristique, une autre sous-branche sinistrée par la pandémie, compte 200 sociétés à l'arrêt. Seuls 30% des professionnels ont déclaré faillite et près de 600 sont à l'heure où nous mettons à l'écrit ces lignes, sont en situation de redressement judiciaire pour défaut de paiement. Le gouvernement actuel, nous avons l'impression, est resté dans la même politique que ses prédécesseurs sur le volet des annonces soudaines. L'imposition soudaine du pass vaccinal a provoqué, comme vous l'avez vu, plusieurs tensions sociales, notamment les protestations des bureaux d'avocats contre l'obligation de ce pass pour accéder aux tribunaux. Les fermetures soudaines des frontières qui ont laissé de nombreux citoyens dans des situations très difficiles à l'étranger. Le secteur de l'éducation et de la justice ne se sont pas aussi distingués et se sont surtout distingués par des gestions procédurales et routinières, sans enregistrer de nouvelles procédures. Les acquis diplomatiques du Maroc, ses nouvelles alliances, ses succès dans la gestion de l'épidémie lui donnent une meilleure image à l'étranger, à l'extérieur. Demain, ce n'a pas été assez capitalisé pour créer cette dynamique attractive pour ramener des investissements privés internes et aussi externes. Au niveau économique, la coalition gouvernementale n'a pas beaucoup innové au niveau du projet de loi des finances, privilégiant surtout la prudence pour sa première année de mandat. D'autres décisions à caractère économique n'ont pas manqué de susciter l'intérêt. Le remboursement des 13 milliards de crédits TVA aux entreprises privées et de l'autre côté, l'appel à ces mêmes entreprises et à certaines corporations de s'acquitter convenablement de l'impôt. En matière de législation, le bilan des 100 premiers jours est plutôt réduit. Il va sans dire que adopter des lois relève de la compétence exclusive du Parlement, mais il n'en reste pas moins que c'est principalement l'exécutif qui détient l'initiative. 100 jours ne suffisent pas pour accomplir des réalisations majeures, mais ils sont suffisants pour lancer des signaux très forts pour redonner confiance aux citoyens qui attendent beaucoup, beaucoup de ce gouvernement. Le sentiment qui se dégage pour ces 100 jours est un certain manque d'ambition. Donc, mis à part le chantier de l'état social et les succès de la gestion de la pandémie, qui sont plutôt à mettre au crédit de l'État, le gouvernement, nous avons l'impression, il peine à innover et s'inscrit plutôt dans la continuité d'une gestion qui n'intègre pas les nouveautés mondiales et nationales. Voici, mesdames et messieurs, quelques réflexions, quelques interrogations auxquelles auront à cœur nos intervenants d'y répondre. Merci.
Marche ? Oui, ça marche. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. Et puis, bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, puisque c'est retransmis sur les réseaux. Monsieur Sarojny a fait une introduction exhaustive du sujet que nous abordons ce soir, qui est un exercice coutumier dans beaucoup de pays. C'est celui du bilan des 100 premiers jours d'un nouveau gouvernement. Le nôtre vient de les boucler et l'occasion nous est donc donnée ce soir de poser quelques pistes d'analyse et des questions, de poser aussi une évaluation critique, puisque qui dit bilan dit aussi critique, de ces 100 premiers jours. Et je proposerai à nos intervenants de faire une discussion autour de trois grands points. D'abord, la vision de ce nouveau gouvernement. Ça permettra de revenir à la fois sur les promesses électorales, sur l'ambition qui était affichée au départ, et puis aussi sur le désir de rupture qui a été très largement martelé pendant la campagne et puis au moment de la formation du gouvernement au mois d'octobre. Ensuite, de revenir sur les projets concret et les moyens qui sont mis à disposition de ce projet et qui dit projet, le financement de ces projets, puisque c'est aussi un des points critiques de ce bilan, c'est de trouver les façons de financer quelques-uns des projets évoqués par M. Sarojny tout à l'heure. Et puis on finira sur les actions mises en œuvre, la communication étant un de ces moyens d'action, parce que là aussi c'est un point d'achoppement conséquent de ce bilan. Donc la vision, les projets et les moyens. Et puis les actions posées jusqu'alors. Et on va en discuter avec, je fais une présentation très rapide en commençant par la gauche, Youssef Blel, qui est professeur de sciences politiques et qui est négociateur, médiateur de l'ONU pour les négociations de paix. Merci d'être avec nous, Youssef. À vos côtés, Driss Khrouz, merci beaucoup aussi d'être avec nous. Driss Khrouz, vous êtes économiste, vous êtes l'ancien directeur de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc et vous êtes actuellement le directeur général de la Fondation Esprit de Fès. À mes côtés, cette fois, monsieur Adnan Benchkroun, merci également d'avoir répondu à cette invitation. Vous êtes le vice-président de l'Alliance des économistes de l'Istiqlal. Et puis, on attend monsieur Yassine Oukacha, qui est député RNI, donc membre de la majorité parlementaire. Il s'est excusé, il aura un peu de retard. Et puis, je tiens à préciser, pour anticiper toute critique, oui, il devait aussi y avoir une femme parmi nous, Ibtissam Azoui, qui est une ex-parlementaire aujourd'hui élue communiste, mais elle s'est excusée pour des raisons de santé. Voilà. Alors, avant d'entamer la discussion et la première partie sur la vision, est-ce qu'on pourrait faire un tour de table rapide pour un peu mesurer la position de chacun par rapport à ce bilan et savoir est-ce que vous êtes plutôt dans le camp critique ou le camp de ceux qui mettent en avant les réussites. Commencez avec vous, M. Benchkroun. Juste un mot d'introduction sur votre sentiment général par rapport à ce bilan. Bon, moi j'ai écouté une grande intervention, un inventaire à charge et à décharge, mais sincèrement, honnêtement, j'ai eu l'impression d'écouter un bilan de 1500 jours, pas de 100 jours. Donc je ne suis pas dans la même démarche. Et pour illustrer un peu mes propos, moi je pense que cette notion de 100 jours, c'est quand même une création, une tradition plutôt de la presse. C'est symbolique, les 100 jours, mais d'habitude, ça correspond à un délai de grâce. Maintenant, si on s'attend à ce qu'un gouvernement qui débarque les 100 jours et termine son programme et exécute les projets et se présente pour faire son bilan, pour se présenter aux élections tous les 100 jours, ça me pose un problème. Je peux vous accorder trois choses. Il n'y a pas eu de choc de confiance. Il n'y a pas eu un choc d'espoir pour les ménages marocains. Et il y a un problème de communication, je vous l'accorde. Mais, si vous permettez, j'aimerais partager avec vous à quoi ressemble 100 jours lorsqu'un ministre débarque dans son ministère. Parce qu'il faut savoir de quoi on parle. On parle des 100 jours. C'est une phase de rodage. On a le PAM qui n'a jamais gouverné. Ces ministres n'ont jamais été ministres. On a le Istiqlal qui revient de 10 ans d'opposition. Et on a le RNI qui débarque avec de nouveaux profils. Donc l'expérience, je ne parle pas des ministères de souveraineté, etc. Et politiquement, pendant ces 100 jours, on a eu d'autres problèmes fantômes, c'est-à-dire gérer les recalés, les gens qui voulaient être ministres, qui n'ont pas été ministres. Pourquoi ?
Pourquoi c'est important? Ce n'est pas un détail. Parce qu'on a annoncé les secrétaires d'État. Donc ça aussi, ça a perturbé la majorité. Chaque ministre qui débarque, il découvre ses périmètres. Lorsqu'un ministre est nommé, il ne sait pas encore. D'abord, il y a la phase de la confiance, puis la nomination, la confiance au niveau Parlement. Mais lorsqu'il arrive à son ministère, il ne connaît pas encore son périmètre. Les directions qui dépendent de lui, ou qui dépendent, on l'a vu avec Simzor, l'industrie, ben, le commerce extérieur est parti chez Jazouli. On l'a vu avec César Baraka, où il s'est retrouvé coupé, le ministère coupé du transport, il n'avait pas de secrétaire général, le directeur des ressources humaines est passé par là, etc. Donc le périmètre, tant qu'il n'est pas publié et arbitré par le chef du gouvernement, il y a, pendant ces 100 jours, du flottement. Les ministres doivent prendre en main les administrations. C'est facile à dire, mais ce n'est pas évident. Ils découvrent le top management, ils n'ont pas travaillé avec le secrétaire général qui est sur place, ils ne connaissent pas les directeurs. Il y a des projets en cours, entamés par la loi de finances 2021. Le ministre qui débarque dans ces 100 jours, il a, surtout que le profil de ces différents ministres, il y en a beaucoup qui viennent du privé. Et ils doivent s'adapter à l'horloge de Rabat. Ce n'est pas le privé de Casablanca, c'est l'administration. Elle a tokos diera, la lourdeur de cette administration. Donc pendant ces 100 jours, tout ça se passe en même temps. Surtout, il faut former son cabinet. Et croyez-moi, ce n'est pas facile. Former son cabinet avec les pressions du parti, il faut caser des gens. Il faut découvrir les syndicats qui sont sur place. Il y a un travail incroyable qui prend beaucoup de temps pendant ces 100 jours. Je vous raconte cette histoire parce que je l'ai vécu. Puis, ce gouvernement, ces ministres n'ont pas de chance. Le temps de respirer, ils ne l'ont pas eu. Immédiatement, là, il fallait débarquer au Parlement, aller aux commissions, défendre un budget qui n'est pas le leur. Ils ont hérité d'un budget qui a été préparé par un autre gouvernement. Ils voulaient l'augmenter, ils voulaient faire des amendes, des choses qu'ils n'ont pas pu faire. Donc, ils sont partis défendre une loi de finances de transition qui, chaque ministre, n'était pas heureux de défendre son projet. Ça prend beaucoup de temps. Alors, après, ils ont commencé à travailler. Ils essayent de traduire à chacun à son niveau, avec son administration, les engagements de la déclaration du gouvernement en projet réel. Et surtout, parce que ça c'est du réel, l'opérationnel, c'est que automatiquement il y a des divergences, automatiquement il faut des arbitrages, automatiquement, rapidement, on s'aperçoit qu'il faut remonter à la primature pour avoir des arbitrages. Mais personne ne connaît le style de ces Arnouch. Est-ce qu'il va arbitrer rapidement? Est-ce que ça va être le modèle Siliusfi où il prend le temps d'arbitrer jusqu'à... Donc, chaque ministre prend ses marques. Donc, la grande découverte aussi des nouveaux ministres, c'est que lorsqu'ils deviennent ministres, ils ont l'impression d'ordonner, d'être ordonnateur et d'ordonner. Mais ils s'aperçoivent rapidement qu'on ne peut pas tout faire, que le ministre du budget est là pour dire non. À 90% des demandes des ministres, c'est du non, il faut remonter à la primature. Tout ça se fait dans les 100 jours. Alors, imaginez tout ce qu'il faut faire. Puis à l'autre côté de l'administration. L'administration marocaine est extraordinaire. Elle a l'expérience du changement. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence par laisser parler le ministre. Elle le laisse même parler et commettre des erreurs. Puis le ministre découvre les limites du système. Et c'est là où l'administration, 6 mois après, fait tout pour récupérer les choses et retrouver ses... Sauf certains ministres qui ont l'expérience, qui ont de la volonté, qui vont résister à ces administrations. Puis commencera, et ça a commencé dans les 100 premiers jours, que certains ministres se sont aperçus qu'ils ne peuvent pas travailler avec le secrétaire général ou tel directeur. Donc la vague du changement... La rumeur du changement existe. Et que fait l'administration lorsqu'il y a une rumeur de changement de directeur? Ben, les directeurs se mettent en arrière et laissent le ministre nu avec son administration parce qu'ils ne savent pas s'ils sont maintenus ou s'il y a un appel à candidature et il va être changé. Donc tout ça, c'est les 100 jours. C'est de la réalité. C'est le quotidien d'un ministre qui doit affronter ces 100 jours.
Bon, maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il n'a rien a été fait. On reviendra sur le sujet différemment, sur étape par étape, mais je voulais vous mettre dans le bain des 100 jours parce que c'est du vécu. Et que ce soit ce gouvernement, c'est pas parce que je suis dans la majorité que je défends ce gouvernement, mais l'état de grâce est créé pour ça. Merci. Merci, Sibben Chkron. C'est un bain à remous, d'après ce qu'on a compris. Et merci d'avoir rappelé un peu cette culture, finalement, politique et puis culture dans la manière de faire de l'administration, qui peut aussi expliquer beaucoup de choses sur la prise en main par les ministres de leurs fonctions et de leurs programmes. Driss Khrouz, même question, un premier avis général sur ce bilan. Merci beaucoup, madame. Mesdames et messieurs, merci. Je suis très heureux d'être là et de parler... sur un sujet très complexe, où il ne s'agit pas de donner ses impressions, mais beaucoup plus d'analyser à froid avec le recul. C'est ce que je vais essayer de faire. Ce gouvernement, je le dirai tout à l'heure, il a beaucoup de mérite. 100 jours, ce n'est pas suffisant. Moi, tout ce que je vais dire ce soir, je vais le dire à l'aune d'une évolution depuis 1998. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est un gouvernement qui vient après un gouvernement... d'alternance consensuelle, dirigée par l'USFP, arrive Abbas El-Fassi, après Jetto Abbas El-Fassi, arrive Benkiran, évidemment, arrive Othmani. C'est un gouvernement donc qui vient après une expérience de l'opposition de l'USFP de l'époque, qui est réduit pratiquement à des miettes aujourd'hui, après une expérience portée par les évolutions dites de l'hiver arabe, avec l'avènement du gouvernement dirigé par le PJD. Puis après, il y a eu toute une période. Alors les questions auxquelles je vais peut-être répondre, au-delà des projets sur lesquels je suis personnellement entièrement satisfait, ce n'est pas cela. Est-ce que c'est un gouvernement politique? Est-ce que c'est un gouvernement composé de chefs de projet? Est-ce que la décision politique appartient à ce gouvernement? Je le dirais en disant que, d'abord, quand on voit les 5 piliers de la déclaration de M. Arnouch, la première, c'est l'amélioration du choix démocratique. Est-ce que la vision de ce gouvernement est la sienne ou il s'inscrit dans la vision royale, il le dit 10 milliards de fois, et le nouveau modèle de développement? Monsieur le ministre de l'Éducation préscolaire, qui est Irénie, je crois. Il n'est pas Irénie. Monsieur le Khajar, il est Irénie, il n'a pas d'étiquette politique. Il y a des ministres à qui on a donné une veste. Ce n'est pas cela. Je ne fais pas de procès, je ne suis pas là pour le faire. Je dirais sur la mission qui est la sienne, j'ai plutôt une appréciation favorable. Moi, je n'attends pas d'un gouvernement qui soit un chef de projet. Monsieur Arnouch était un super ministre avec Monsieur Othmani. Le PJD a perdu les élections, on a aidé. Les vents qui ont porté M. Arnouch, je dis bien les vents qui ont porté M. Arnouch, font qu'aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que c'est un gouvernement de transition, mais vers quoi? Je parle en termes de vision, de projet, de société. C'est ça un gouvernement. Si c'est pour gérer des projets, les secrétaires généraux, les directeurs le font bien. Mais en même temps, c'est un gouvernement qui, effectivement, en peu de jours, et c'est effectivement, on ne peut pas juger en peu de jours, s'est formé de façon rapide, a pu se constituer, il est ramassé, 3 partis politiques. Ont-ils les mêmes projets? Non, ils n'ont pas les mêmes projets, mais je dirais que ce gouvernement n'a pas de projet politique, puisqu'il est déjà là, le projet politique. Et donc, ce n'est pas une critique que j'adresse. Le gouvernement n'est pas politique. Sur quoi je vais le juger personnellement, en termes d'analyse? Sur les réalisations concrètes en termes de politique sociale et de politique économique. Voilà, donc je déplace peut-être le curseur en disant que le gouvernement Arnouch était dans le gouvernement. Et il n'était pas le seul. Et je dirais donc que c'est pour moi une question qui fait qu'aujourd'hui, la question politique au Maroc est déplacée. Et le centre de la décision n'est plus dans le gouvernement. Merci. Youssef Blel, un avis, je pense que ce que vient de dire
Dries Roos fait écho à vos analyses, et notamment sur la question institutionnelle, pour appréhender l'appréciation de ce nouveau gouvernement. Sur justement la manière dont on pourrait juger de l'action d'un gouvernement, on partirait dans une situation idéale de la capacité du gouvernement à être sur deux fronts. Sur un front de l'urgence, et il y a eu beaucoup d'urgences, notamment sanitaires et de santé publique auxquelles le gouvernement devait faire face comme d'autres pays, et puis la capacité à se projeter, à mettre en place des réformes structurelles et donc à faire le lien entre les deux. Ça, d'une part, et on pourra y revenir de manière plus précise, mais on a déjà l'impression que le gouvernement, sur ces deux volets-là, soit a fait preuve d'improvisation, d'amateurisme, soit est aux abonnés absents. Et cela, je pense, pose plus fondamentalement la question de savoir si nous avons affaire aussi à un gouvernement qui, et Dries Roos l'a souligné, qui a une nature politique, ou est-ce que c'est un gouvernement d'administrateur, ou, pour reprendre la formule de Cédric, de chef de projet. Parce que quel est l'intérêt aujourd'hui d'avoir un gouvernement qui ne formule pas, ne décline pas les décisions et les mesures qu'il prend, ne les défend pas dans l'espace public, ne les explique pas, ne part pas d'une démarche dans laquelle il va associer les principaux acteurs qui doivent être partie prenante de ces décisions-là. On l'a vu de manière brusque au moment de la décision d'imposer le pass sanitaire qui n'est même pas appliqué aujourd'hui dans la réalité, qui n'était pas en amont une décision réaliste. Donc il y a ce volet-là, je dirais, par rapport à la projection que le gouvernement se faisait de sa mission. Maintenant, il y a la question plus fondamentale, qui est de savoir si ce gouvernement, qui intervient 10 ans après le mouvement du 20 février, qui était la version marocaine des mobilisations partant de la société, des mobilisations en faveur de la démocratisation de l'État, qui s'est traduite en 2011 par l'élection du PJD et de Benkenen à sa tête, et aujourd'hui, dans une large mesure, ce gouvernement, par la manière dont il est arrivé à la tête de l'exécutif, clôt en quelque sorte cet épisode de la révolte et de la protestation qui devait se traduire par une représentation de la société à travers un mécanisme démocratique, à travers un élargissement de l'espace de la prise de responsabilité politique et donc de la capacité à rendre des comptes, à s'expliquer, à donner des raisons, voire à être sanctionné électoralement, politiquement ou autre, par rapport aux décisions qui sont prises, et donc qui fait qu'il y a une interaction entre l'État et la société. Or, aujourd'hui, avec ce gouvernement qui, la manière d'abord dont il a été élu, puisque c'est un gouvernement qui est largement issu d'une forme de clientélisme local, mais qui ne faisait pas qui n'avait pas la signification d'un espoir politique aujourd'hui, mais qui se prévalait d'une compétence, d'une part, aujourd'hui elle reste à prouver,
parce qu'une compétence technocratique sans compétence politique, parce qu'il y a aussi une compétence politique propre, c'est-à-dire c'est la capacité à interagir dans l'espace public avec l'opinion publique, avec les acteurs sociaux, avec les autres acteurs politiques. Et on est dans une situation assez paradoxale parce que d'une part, cette majorité se prévaut d'être cohérente et resserrée autour de trois grands partis qui idéologiquement et politiquement sont plutôt proches, et surtout le RNI et le PAM, puisque ce sont des partis qui sont issus historiquement de leur proximité au centre de pouvoir et qui ont été créés du fait de cette proximité-là. Et donc, au final, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui justifierait, je dirais, si on devait leur donner le bénéfice du doute, ça serait de dire que le chef du gouvernement actuel et que cette composition-là fait qu'il y a une proximité au centre de pouvoir, au centre de pouvoir royal, qui ferait que l'exécution serait beaucoup plus efficace parce qu'il y a une communication plus fluide et il y a un alignement politique de ce gouvernement par rapport à la vision de la monarchie par rapport aux réformes et aux priorités à mettre en place. Or, cela ne se traduit pas, même si c'était le cas, aujourd'hui, cela ne se traduit pas politiquement parce que le gouvernement est précisément absent sur ce volet-là. Donc au final, ce qui nous reste, c'est un gouvernement d'administrateurs qui ne parle pas, qui ne s'explique pas, qui ne part pas d'une approche aussi participative et qui se mure dans un certain silence, ça va soulever beaucoup d'incompréhension à l'avenir et risque de se traduire aussi par un mouvement de protestation dans plusieurs secteurs dans lesquels il y a un manque justement d'interaction politique avec la population, avec les concernés. Alors merci pour cette première prise de parole qui nous donne donc un aperçu depuis l'explication de la lenteur des processus jusqu'à la critique de la manière même de faire. Alors, ça m'amène à la première partie que je voulais évoquer avec vous, c'est celle de la vision de ce gouvernement. On promettait beaucoup de ruptures. Or, ce qu'on entend, notamment à travers ce que vous avez dit, M. Khlouz et Youssef Blel, c'est le fait que finalement, il y a un retour à une forme exécutif qui est plus dans l'exécution d'une vision, là peut-être même du nouveau modèle de développement qui a donné les grandes lignes directives, parmi lesquelles et pas des moindres, un retour de l'état social. Parmi les premières mesures qui ont été annoncées, c'est celle effectivement de la couverture maladie qui doit bénéficier à 11 millions de Marocains dès ce début d'année. C'est la création des emplois, donc avec une dimension sociale très forte. Mais est-ce que, pour revenir à cette vision, est-ce qu'il y a une réelle rupture? Ou est-ce qu'on revient à un mode de fonctionnement où finalement l'exécutif n'est que le relais, n'est que la courroie de transmission d'une vision qui est décidée ailleurs et qui vide cet exécutif de sa dimension politique, à savoir à la fois une idéologie, la volonté de la défendre, de la présenter et la volonté de se confronter à l'opinion publique pour mener une transition sociétale autant qu'économique et autant que politique avec un grand P. Driss Khlouz. Merci beaucoup. Je dirais que ce gouvernement, il a évidemment une couleur politique. C'est un gouvernement libéral qui s'inscrit dans l'état social. C'est un gouvernement qui, à mon avis, c'est pour cela que je l'avais commencé par cela, qui se veut en rupture avec ce que le Maroc a connu depuis 2011. Alors la question que je pose, et ce n'est pas l'objet, mais je pourrais répondre, est-ce un retour à l'avant-constitution de 2011 qui était trop ambitieuse et dans laquelle un certain nombre de choses étaient marquées, mais ont été très très mal, je dirais, négociées politiquement, parce que le gouvernement, les deux gouvernements, particulièrement le premier qui est arrivé après 2011, lui-même refusait de s'inscrire dans la constitution, il n'était pas la sienne. Et que donc finalement,
Depuis 2011, cette constitution que tout le monde a voulu, mais que personne n'a voulu appliquer. Est-ce que le gouvernement actuel s'inscrit dans cette constitution? Je n'en sais rien, mais je ne le crois pas, au niveau politique. Je crois qu'il s'inscrit, la preuve, quand on voit les 5 piliers de la stratégie du gouvernement présentée par le Premier ministre le 17 octobre, je crois, et qui sont revenus dans son programme, sachant que la loi de finances, et Ebnen a raison de le dire, ce n'est pas la sienne. Il fallait bien qu'il y ait un projet de loi de finances et il y a une organique. Donc, il fallait aussi, effectivement, travailler dans l'urgence. Il y a la pandémie corona, il y a l'urgence, il y a... Bon, partant de là, moi, je fais une lecture politique de ce gouvernement. Je ne peux pas m'inscrire dans les... Je reviendrai sur les actions, sur les projets dans lesquels, moi, je trouve, je le dirais, qu'il y a de la cohérence. Il y a de la cohérence, il y a du boulot qui est fait en peu de jours. Mais la question qui, pour moi... Et la plus importante, c'est que quand on parle de vision, on parle d'une stratégie dans laquelle on ne dit pas que le programme du gouvernement, c'est les visions de Sa Majesté et le nouveau modèle de développement. Si c'est cela, la constitution de 2011 est complètement mise de côté. Le rôle du roi n'est pas de dicter le programme de l'exécutif. Le nouveau modèle de développement détermine une charte. C'est-à-dire des principes généraux. Ce n'est pas un programme de gouvernement. Et voilà que, quand on me parle de le premier principe, l'amélioration des choix démocratiques, un gouvernement n'est pas là pour améliorer les choix démocratiques. Il est là pour instaurer la démocratie. Et donc, le travail des institutions, quid du Parlement. Vous avez parlé, effectivement, ou c'est Rochner a parlé tout à l'heure du travail législatif. Le rôle du gouvernement est important. Énormément de lois attendent les décrets d'application. Énormément d'institutions ne sont pas mises en place. La régionalisation elle est citée presque en appendice. Et que donc, finalement, si on juge le gouvernement, et je dirais tout à l'heure mon avis sur les projets et les actions, moi je dirais que ce gouvernement a fait ce qu'aucun gouvernement n'a fait en 100 jours. Mais moi, je ne le juge pas à l'aune de cette question. Même si, et c'est un avis personnel que je me permets, et je reviendrai là-dessus, c'est que le Maroc n'arrête pas de chercher de passer d'une transition à l'autre. Et donc après le gouvernement, avec le PJD, avec une opposition qui n'est pas une opposition, une majorité qui n'est pas une majorité, aujourd'hui on arrive à un gouvernement où dans le Parlement il n'y a pas d'opposition. On a refusé l'USFP, on a refusé le mouvement populaire, on a refusé l'union constitutionnelle, il y a 3 partis. Cette transition, vers quoi elle va? Parce que si on parle de vision de stratégie, c'est d'aller dans le long terme, au-delà de 2035. Voilà la question que je pose, qui est essentielle. Je ne dis pas que les ministres ne sont pas politiques, ni qu'ils sont des techniciens, ni qu'ils sont des... Non, je dis simplement en termes de structure, qu'est-ce qu'on attend d'un gouvernement? On attend d'un gouvernement, c'est qu'effectivement, il améliore le bien-être, le niveau de conscience et l'intelligence collective, qu'il instaure la démocratie, qu'il travaille sur les institutions et qu'évidemment, partant de là, la conséquence, et non pas la vision, c'est qu'il développe, il crée de l'emploi, il lutte contre le chômage, il développe l'infrastructure, etc. Quant à la communication, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que le gouvernement ne communique pas. Il communique autrement, je le dirai tout à l'heure. Oui, on va revenir à ce chapitre de la communication. Monsieur Benchkron, par rapport à cette dimension politique du gouvernement et la façon dont on peut déjà évaluer ou pressentir à quoi vont ressembler les 5 prochaines années sur le plan du fonctionnement politique et du fonctionnement des institutions. Moi, j'écoute ce discours, j'écoute l'éternel discours sur la Constitution. Nous avons une Constitution, on est passé par une séquence de 10 ans avec un parti qui a piloté cette phase avec une idéologie, puis il y a eu des élections, malgré le Covid, il y a eu des élections qui n'ont pas été contestées, il y a eu des partis qui ont présenté des programmes entre le libéral, entre le social, le socialisme, et on a eu des résultats Le peuple, malgré tout ce qu'on peut dire, a sanctionné une expérience qui s'inscrivait dans la nouvelle constitution. Moi, je suis pour parler de demain, de juger le gouvernement sur les 100 jours, les 200, les 300 et les 400. On ne peut pas continuer
Maintenant, s'il y a des avis politiques qui veulent changer la Constitution parce qu'ils ont déjà conclu que ça ne, elle a atteint ses limites ou qu'il faut passer à autre chose, c'est un combat politique. Moi, je ne suis pas dans ce combat politique. C'est une Constitution, j'ai un parti politique. S'il n'est pas d'accord, il demande le changement de la Constitution. Alors aujourd'hui, on ne peut pas juger une majorité en 30 jours sur sa vision politique. Moi, je pars, j'ai un point de départ qui a fait... sur lequel on est rentré dans ce gouvernement, c'est la déclaration du gouvernement. La déclaration du gouvernement nous satisfait à 100%, elle est sociale, elle a inversé les priorités dans les objectifs, le social, il faut rattraper énormément de retard sur le social, l'enseignement, il faut sauver la réforme de l'enseignement, et il y a des réformes qu'il faut absolument faire, c'est-à-dire... immédiatement sur la loi de finances la prochaine, rétablir le déséquilibre qu'il y a entre, qu'on ne retrouve pas sur cette première loi de finances entre le, donc qui est bien inscrite dans le nouveau modèle de développement, sur lequel je vais revenir tout de suite, parce que le nouveau modèle de développement, j'ai l'impression qu'il devient un gros mot. Non, le nouvel modèle de développement, il y a une idée principale, c'est que le Maroc a besoin d'accélérer et n'a pas le temps de diverger par des idéologies, etc. Autant se mettre d'accord sur une feuille de route sur 15 ans pour gagner du temps et les politiques convergent et trouvent des programmes pour rester dans le nouveau modèle de développement. Ça me satisfait, cette méthode, pour gagner du temps. Le Maroc a besoin de gagner du temps. On a perdu du temps, on a perdu de la croissance, on a perdu beaucoup de choses. Maintenant, je pars de la déclaration du gouvernement. Je vais juger le gouvernement sur sa déclaration. Il a dit « je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça ». Nous le jugerons sur sa déclaration. Si on part sur la philosophie de la Constitution de 2050, c'est un autre débat auquel je ne réponds, n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Faire le bilan de la Constitution, c'est une autre histoire. Mais je pense que ce qui intéresse les Marocains, et qui ont voté, ils étaient assez nombreux, pour cette... On va tenter autre chose. On a tenté avec le PJD pendant 10 ans. Les Marocains considèrent qu'il y a moyen de faire autrement. On va voir. Peut-être que ce gouvernement va réussir. Peut-être que ce gouvernement va échouer. Et il sera sanctionné normalement. Continuer à faire ce débat, est-ce que c'est une monarchie constitutionnelle, etc., etc., mais c'est un débat académique, philosophique, constitutionnaliste, si vous voulez. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un programme, il y a des engagements, il y a une confiance au niveau Parlement. Donc, il faut exécuter ce que vous avez dit, il faut trouver les moyens de financer ce que vous avez dit, il faut communiquer et vendre, parce que là, oui, il y a un problème, il faut engager, que ce soit engagé par tous les Marocains, qui comprennent, qu'ils expliquent les difficultés, les étapes, parce que les réformes se font par étapes. Je suis plus dans l'opérationnalité et de tenter de réussir quelque chose. Merci. Alors, est-ce que, on entend parfaitement ce que vous dites, mais du coup, on se pose la question, est-ce que c'est possible de répondre à toutes ces urgences et de rattraper le temps sur des questions sociales urgentes, qu'on pense à l'école, on pense à la santé, on pense à l'économie, et notamment l'économie informelle, on pense à toutes ces choses, et en plus avec le coût porté par la crise sanitaire, le coût COUP et COUT, les deux. Mais est-ce que c'est possible de résoudre ces urgences tant qu'on n'a pas résolu cette question institutionnelle, Youssef Blal? Et après, on passe aux actions du gouvernement pour poursuivre la discussion. Mais est-ce que ça, c'est possible? Parce qu'on entend que c'est une discussion d'aspect philosophique et politique, mais est-ce que c'est possible de répondre aux urgences sans avoir tranché cette question? Permettez, deux secondes. Parce que c'est toujours la même histoire. Est-ce que le Maroc a réussi dans le domaine militaire? Oui ou non? Nos frontières sont sûres? Les Algériens n'ont rien pu faire? Est-ce que sur le terrorisme, le Maroc a réussi? Oui. Est-ce que sur la diplomatie, on a marqué des points extraordinaires? Est-ce que sur la pandémie, on a fait? Quand on se met à travailler, quand on a des visions claires et des hommes là où il faut, le Maroc marque des points. Est-ce que le soft power marocain en Afrique a réussi? Est-ce que le domaine spirituel, on n'exporte pas le modèle marocain? Il y a des réussites au Maroc. Et puis, regardez, soyons économistes. Regardez les chiffres de l'export de 2021.
Si on a fait plus 21 ici, plus 51 ici, plus 70 ici, il y avait quelque chose, il y avait une industrie. Il suffit de se mobiliser et de travailler. Et puis, s'il y a des erreurs, il faut les corriger. C'est comme ça. Et je voulais dire aussi, le propre de ce... Si le point de départ pour moi est la déclaration de Sierra Loche au Parlement, parce qu'il faut être comptable de quelque chose, ne pas rester dans le flou artistique, etc. Oui, il y a un gouvernement, il a un programme. Qu'il l'exécute, on le jugera. Et d'ailleurs, ce programme est tellement social, tellement socialiste, que je me demande pourquoi nos amis de l'USFP et du PPS n'ont pas voté ce programme, même s'ils ne sont pas dans le gouvernement. C'est leur programme. Youssef Blal et ensuite Drit Reus. Je pense que... Déclarant le rapport du Conseil de la concurrence à ce sujet. On connaît le destin de ce rapport du Conseil de la concurrence qui d'ailleurs vise pas simplement la société dont Monsieur Arnouch était le président ou fondateur, même si aujourd'hui il a dit que n'exerçait plus de fonction exécutive par rapport à ça. Il y avait aussi des sociétés étrangères, mais ça pose une question par rapport à la question des conflits d'intérêts. Et est-ce que aujourd'hui le gouvernement, dans sa forme actuelle, est-ce qu'il est en mesure de répondre à ces urgences-là, qui répondent à situations pour le ciment, c'est aussi la même chose. C'est des situations monopolistiques qui ont un impact direct sur le pouvoir d'achat et sur le niveau de vie des familles marocaines, mais qui ne peut être résolu que si il y a une transparence, s'il y a juste une mise en œuvre institutionnelle de ce qui a été recommandé par des institutions constitutionnelles, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc déjà, déjà appliquer la lettre des institutions constitutionnelles qui ont été mises en place, ça n'a pas été fait.
Et ça, ça pose de sérieux problèmes par rapport à la crédibilité de ces institutions et au fait que aujourd'hui, il y a une crise de confiance profonde, un divorce profond, une défiance abyssale entre les responsables gouvernementaux, les responsables politiques, l'État de manière générale et la société. Et donc à partir de là, ces questions sont imbriquées, elles sont liées. Si on n'attaque pas de front cette question institutionnelle, qui n'est pas nécessairement une question légaliste ou constitutionnaliste, mais une question avant tout de pratique politique, d'action politique et de volonté d'élargir le champ de l'action politique qui est soumis à débat, qui est soumis à la question de la transparence, qui à un moment donné rend des comptes publiquement. S'il n'y a pas ce mécanisme-là, s'il n'y a pas ce processus-là, eh bien, l'action politique perd sa crédibilité. Merci. Alors, je vous donne la parole, Delescret, parce que vous voulez réagir, mais je formule aussi la question suivante, comme ça vous pouvez réagir et répondre à la suite. Pour passer aux actions annoncées de ce gouvernement, M. Sorochny en a évoqué beaucoup tout à l'heure, beaucoup dans le domaine social, avec l'emploi et la couverture maladie notamment, mais il y a aussi le volet de l'éducation, avec l'annonce faite du changement de recrutement des professeurs, avec 15 000 qui doivent être recrutés pour la prochaine rentrée, plus 2 000 cadres administratifs, la relance aussi économique avec des projets d'investissement. Les chiffres sont faramineux, on aura l'occasion d'y revenir parce qu'il faut parler du financement aussi de tout ça. Mais comment évaluer l'annonce de ces grands chantiers majoritairement sociaux et économiques, puisque vous vouliez aussi en parler tout à l'heure? Non, je vais en parler après dans l'ordre que vous avez suivi. Simplement une question de mise au point. La Constitution, c'est la loi suprême. Si nous ne nous inscrivons pas dans la loi suprême du pays, alors à quoi sert un gouvernement? À quoi sert un parlement? Deuxième question fondamentale. Moi, je ne suis pas du tout ici ni pour faire l'éloge, ni pour critiquer le gouvernement. J'essaie de comprendre. Je ne suis ni dans la majorité, ni dans l'opposition. Je suis un professeur qui réfléchit avec vous. Et partant de là, moi, je ne suis pas du tout contraint de dire est-ce que la déclaration a réussi ou n'a pas réussi. On va en parler. La vision, elle est politique par définition. La vision, ce n'est pas 15 000 postes. De dire que la vision n'est pas politique, aujourd'hui, ne dit pas que le Maroc a échoué. Nous sommes dans le cadre d'une transition, d'un débat entre des gens qui connaissent, qui s'inscrivent dans des choix du Maroc. Et par conséquent, moi personnellement, je l'avais dit, je ne peux juger en termes d'analyse sociopolitique le gouvernement au terme de 100 jours qui ne sont pas suffisants que si je considère que c'est d'abord une instance politique. C'est d'abord une instance politique chargée d'animer la vie politique du pays dans laquelle trois partis doivent avoir des ramifications en termes de pouvoir territorial, doivent animer les syndicats, doivent dynamiser la société marocaine, doivent aussi essayer de voir pourquoi l'opposition est dans l'état où elle est. Les élections, quand on dit que les élections n'ont pas donné un visage politique tel qu'il devrait être conforme à la Constitution, ne veut pas dire qu'elles ont été truquées. Ça, c'est une autre question. C'est une autre question. La question que je dis personnellement, c'est que la vision, elle est politique. Elle ne peut être que politique et institutionnelle. Le gouvernement, ce ne sont pas simplement des gens qui prennent de l'argent pour réaliser l'AMO ou le RAMED. C'est le RAMED, l'AMO, l'enseignement, c'est dans le cadre de la construction d'un avenir. Et l'avenir, ce n'est pas 6 ans. Ce n'est pas simplement l'horizon du nouveau modèle de développement, les 2030, 35, c'est le Maroc dont la continuité et la durée. Ceci pour juger simplement ce que le gouvernement a fait, ce n'est plus un débat académique. Monsieur Benchkron, par rapport à ces premières annonces du gouvernement qu'on évoquait tout à l'heure, comment vous jugez à la fois le fond
Est-ce qu'il est réaliste, que ce soit sur la création des emplois, que ce soit la réforme de l'éducation? Et comment vous comprenez que ce gouvernement se soit attelé à ces chantiers-là en premier? Est-ce qu'on n'est pas dans l'ordre de répondre à une vision posée pour l'avenir du Maroc? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut contextualiser les 100 jours. Est-ce qu'on parle des 100 jours ou la probabilité que ce gouvernement, comme j'ai eu l'impression d'entendre, il va sûrement échouer sur la rente, il va sûrement échouer sur les conflits d'intérêts, il va sûrement échouer sur mille choses. Non, là, on n'insulte pas l'avenir, on parle juste de ce qui a déjà été annoncé au cours des trois derniers mois. Ce qui a été annoncé, premièrement, il fallait exécuter le quatrième trimestre d'une loi de finances votée par une ancienne équipe. Il y avait des chantiers qui sont en cours, il y avait des urgences à faire sortir, telles que les décrets d'Amo, etc. Et puis, il fallait établir une première une loi de finances 2022 avec les contraintes de gestion de crise. Donc, les choix sont au niveau social clairement indiqués, les budgets sont là. Le gouvernement a arbitré, la majorité a arbitré sur cette première année de son mandat de favoriser plutôt l'emploi, même temporaire, même assisté, parce qu'il prépare une sortie de crise, parce que selon ma compréhension des choses, c'est que nous avons une loi de finances qui n'est pas pour la relance, n'est pas encore propre à une relance, que plutôt nous sommes dans une loi de finances de restauration, le moins de dégâts possible, parce qu'en manque de visibilité, le gouvernement a considéré qu'il manquait de visibilité sur une quatrième vague, sur un autre Micron, etc. etc. Donc il a plutôt privilégié la précaution qu'autre chose. Donc si la relance, elle n'aura pas lieu en 2022, elle aura plutôt lieu en 2023, parce que le gouvernement, le ministère des Finances, pense qu'il n'a pas le droit à l'erreur. On ne peut pas faire des relances. On ne peut pas faire plusieurs, on n'a pas le droit de faire, on n'a pas les moyens de faire plusieurs relances, donc il a le droit à one shot. Il a cadré la relance en 2023 et en 2022, il fait un accompagnement avec les moyens du bord, avec la pression de lancer la commande royale sur la protection sociale. Ça, c'est clair. Personne ne peut nier les instructions royales, etc. Tout le monde s'est inscrit, personne n'a critiqué. Moi, je m'étonne un peu parce que lorsqu'il y a eu le débat sur le nouveau modèle de développement, il m'a semblé qu'à part les extrêmes à gauche et à droite, il a fait quand même l'unanimité sur ce nouveau modèle de développement qui n'est pas un gros mot. Parce que le nouveau modèle de développement, c'est quoi? C'est créer plus de richesses pour pouvoir distribuer plus. La transformation, les réformes, etc. Mais l'idée générale, c'est qu'on a essayé, ça n'a pas abouti, l'objectif de créer plus de richesses, et le nouveau modèle de développement prend d'autres pistes pour créer plus de richesses, pour pouvoir distribuer. Donc effectivement, l'année 2022 pose un problème de césure pour financer les premières parties de la protection sociale, parce que la retraite arrive après, parce que les aides directes arrivent en 2023, etc., etc. Mais il a quand même commencé pour marquer le virage social inscrit dans la déclaration du gouvernement. Maintenant, s'il n'y arrive pas, on le critiquera, il aura des comptes à rendre, etc. Sur la communication... Non, ne prenez pas d'avance, on va revenir tout à l'heure sur la communication. Un exemple, parce qu'il y a des confusions. Supposons, dans le truc de la déclaration, il y avait Aourache. C'est 125 000 emplois temporaires, assistés, tout ce que vous voulez, en attendant que la croissance reprenne, que la création d'emplois reprenne. C'est pour passer le mauvais cap, d'accord? Ils ne pouvaient pas le commencer. Il fallait attendre le 1er janvier pour que la loi de finances soit effectif, budgétisé, pour commencer le premier chantier. Le premier dirham ne pouvait pas être dépensé qu'à partir du 1er janvier. On ne va pas lui dire pourquoi tu n'as pas commencé les chantiers à Aourache ou la Fossa le 15 novembre alors que la loi de finances n'était pas votée. Donc il y a un calendrier, il y a un enchaînement logique, administratif, budgétaire, dans lequel il faut s'inscrire et choisir le bon moment logique pour critiquer
l'exécution de tel chantier ou tel chantier. Sur l'enseignement, il faut aussi se féliciter qu'il y ait un débat. On a commencé par un débat avec, qui a mal tourné avec les enseignants. Et puis hier, il y a eu signature avec tous les syndicats sur un pacte qui va faciliter, parce que la réforme de l'enseignement est d'abord les conditions de travail de l'enseignant. Donc il faut sécuriser l'avenir des enseignants, il faut améliorer leur performance, il faut les requalifier. Il y a un travail énorme sur l'enseignement. On a peut-être une chance, une dernière chance pour sauver cet enseignement. Ce n'est pas gagné d'avance. On va réussir à 100%. Il faut que la mobilisation soit générale pour pousser dans le sens de réussir au moins cette réforme. Elle n'a même pas encore commencé qu'on est en train de dire, bon, ça y est, elle va échouer. Elle est morte. Ce n'est pas possible. Il y a des réformes, il faut les porter. Si Ben Moussa semble l'homme... Le micro, il m'énerve ce micro. Si Ben Moussa semble avoir un profil idéal pour négocier et ne pas trembler, alors, on va lui accorder le temps pour le juger. C'est tout ce que je dis. Et bien sûr, il y a d'autres secteurs. On peut parler d'autres secteurs. L'un des secteurs le plus important, c'est la réforme des établissements publics. C'est la mise en rendre opérationnel le fonds Mohamed VI, qui va être le fonds souverain, des sous-fonds souverains, qui vont permettre d'augmenter de façon significative l'investissement au Maroc, qui va lier l'État avec le capital marocain, avec l'investissement étranger, pour injecter du capital, parce qu'on manque de capital pour accélérer la croissance. Parce que tout ça revient à deux choses. Il faut produire plus de valeur ajoutée et mieux distribuer. Si on réussit ça, et bien sûr préparer l'avenir avec en réussissant l'enseignement et sécuriser la santé des Marocains, parce que c'est devenu une priorité des priorités des Marocains. Merci, Monsieur Benchkroun. Youssef Blel, comment analyser le choix de ces premières actions annoncées au cours de ces 100 premiers jours, alors que, par exemple, pendant la période électorale, il avait été promis d'augmenter les salaires, une revalorisation des salaires, des allocations familiales. Tout ça a été un peu escamoté au profit de signaux forts, par exemple envoyés aux entreprises, ces 13 milliards de dirhams qui ont été débloqués pour rembourser les arriérés de crédit de TVA que l'État devait au secteur privé, 31 projets d'investissement pour un budget total de 22,5 milliards de dirhams. Donc, est-ce qu'il y a une orientation qui se dégage de ces premiers choix d'action économique? Et si oui, laquelle? L'orientation, d'abord, je pense qu'il faudrait rappeler que le Rassemblement National des Indépendants, donc, qui dirige le gouvernement, dirigeait déjà des secteurs clés de l'économie dans le précédent gouvernement. Donc, que ce soit au ministère des Finances, c'est Ben Chaïkoun, que ce soit l'industrie, c'est Hafed Lahlami. Donc, on est très largement dans une continuité, même au niveau de la loi de finances. C'est le RNI qui dirige ce gouvernement qui y a mis en place, qui a fait ces choix-là. Donc, il faut aussi avoir en tête le fait que la politique économique dont ce gouvernement a hérité est en réalité héritée du RNI lui-même, qui était au gouvernement précédent. Ce sont des personnalités, on dira, qui ont été teintes en quelque sorte au RNI ou encore aujourd'hui pour ce qui est du ministre de l'Éducation. Ce qui soulève une réelle question par rapport à la cohérence, à ce qui fait est-ce qu'un parti comme le RNI existe? Ce qui n'est pas simplement une excroissance de l'administration. Donc c'est une vraie question qu'on pourrait poser parce que ça pose des problèmes de cohérence et la capacité à rendre des comptes plus tard et à faire en sorte qu'il y ait vraiment une vision politique. Parce que la référence au nouveau modèle de développement, même
même si il y a des choses à dire, d'abord sur ce rapport qui a été fait, sur la manière dont il a été fait, sur ses priorités, son rapport, aussi la relation de ce rapport par rapport au rapport du cinquantenaire, et le fait qu'il n'y a pas eu vraiment de bilan de ce qui a été fait par rapport aux objectifs qui avaient été tracés par le rapport du cinquantenaire en 2003-2004. Et sur lesquels on pourrait se poser la question si le fait de conserver la même mécanique institutionnelle ne va pas finalement donner les mêmes résultats, c'est-à-dire très en deçà des objectifs affichés, que ce soit sur le plan d'éducation, de la santé ou au niveau du revenu par habitant et de la production. Même en ayant, je dirais, des réserves par rapport à ce qui est proposé comme modèle de développement, qui omet en bonne partie la question politique, c'est-à-dire qui en présente en quelque sorte comme un projet principalement économique et qui dit qu'au fond il n'y a pas de problème institutionnel, qu'il n'y a pas de problème fondamentalement politique au Maroc, alors que le rapport du cinquantenaire poser cette question-là. Donc, en ayant tous ces éléments-là en tête, même si on devait prendre au mot le gouvernement qui se réfère au nouveau modèle de développement, le problème, c'est que c'est une référence rhétorique. C'est qu'elle ne se traduit même pas par une déclinaison politique, parce que le rapport sur le nouveau modèle de développement présente des principes généraux, il présente parfois des fiches de projet, mais il n'a pas été porté politiquement au sens où il traduirait. Il y a une étape intermédiaire à avoir qui est celle d'en faire un projet politique, même si, je dirais, le gouvernement actuel se réfère à ce modèle-là, sans avoir une vision politique cohérente qui va dire voilà comment se traduit ce nouveau modèle de développement en projet politique, en politique économique. On a une loi de finances qui est faite avec des contraintes budgétaires, avec un niveau d'endettement qui est très élevé, et avec ces contraintes-là. On a des mesures qui sont prises par à-coup, mais il n'y a pas de projet politique qui formulerait, qui dirait voilà comment ça se traduit concrètement sur 5 ans. Si le nouveau modèle de développement est sur 35 ans, à l'horizon de 2035, voilà comment ça se traduit dans une législature en 5 ans. Il n'y a pas eu cette réflexion-là. Donc il y a un problème de crédibilité par rapport au référentiel même dont se réclame ce gouvernement. Donc cela pose des problèmes en termes de vision d'ensemble et comment ça se traduit au niveau sectoriel. Et le paradoxe, c'est qu'on est dans un gouvernement qui, politiquement, est beaucoup plus homogène que les gouvernements précédents. Parce qu'on a vraiment trois grands partis politiques qui se réclament d'une même approche libérale sur le plan économique, qui sont en quelque sorte sociaux un peu par contrainte, parce que c'est l'air du temps et parce que c'est pas nécessairement par conviction, je crois. Ce qui fait que ce paradoxe-là d'une majorité politique sur le papier cohérente, encore une fois avec des questions, qu'est-ce qu'un parti comme le RNI par exemple, qui fait que ça ne se traduit pas ni sur ce volet d'une formulation d'une déclinaison politique et économique de ce modèle de développement, ni en termes de présence politique dans l'espace public, de capacité à défendre les décisions qui sont prises. Donc, ce sont ces incohérences politiques par rapport au référentiel même dont se réclame le gouvernement, je dirais sans même se réclamer d'un autre référentiel ou d'une autre approche, qui lui-même pose problème. Alors, pour avancer sur le plan des actions annoncées, il y a une question qui revient, y compris beaucoup chez les
les personnes qui nous regardent sur les réseaux sociaux, c'est celle du financement de tous ces projets et sur la réforme fiscale. Alors juste pour rappel, la politique sociale, les prévisions de coûts de cette politique sociale sur 5 ans, c'est 250 milliards de dirhams. La question évidemment, c'est de savoir comment on va les financer, alors que par exemple, parmi ce qui est retenu à la charge contre le gouvernement sur ces 100 jours, c'est qu'il refuse de se serrer la ceinture. Juste un rappel, le montant des charges pour cette année dans la loi de finances, il est de 519,2 milliards contre 400 76 en 2021, donc c'est en augmentation. Et sur ces 519 milliards, 100 milliards viennent des recettes d'emprunt. Ce qui veut dire que l'endettement est aussi mis au service des fonctionnements de l'État. Et c'est une critique qui a été faite déjà à ce gouvernement. Donc la question, c'est évidemment celle du financement. Ce qui est préconisé, c'est d'élargir l'assiette de l'IS. Est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que, comme certains le craignent, ce sont des effets d'annonce? Comment est-ce qu'on va financer tous ces projets qui, encore une fois, je le rappelle, c'est 250 milliards sur 5 ans, la politique sociale? Monsieur Khrous? Oui. Par rapport au projet, d'une façon générale, si je devais analyser le gouvernement, et c'est ce que je fais, sur l'urgence de faire face à la crise du corona, le chômage, une année 2020 qui était une année sinistrée, une reprise 2021 qui n'est pas du tout mauvaise, même si effectivement le problème de la base est en 2020. Les données ne sont pas dans la durée, il faut voir dans la durée. Quand on nous dit que 2020, le taux de croissance est de 7,2%, comme le dit le HCP, 2021, comme l'a dit le HCP hier, c'est vrai, c'est important. Si je devais juger le gouvernement par rapport à cela, c'est un gouvernement qui s'est mis au travail, c'est un gouvernement qui a, en peu de temps, émis des décrets très importants, par rapport à des domaines essentiels, la protection sociale avec son volet santé, son volet sécurité, son volet retraite, son volet effectivement allocation familiale, un dossier qui traîne depuis 1993 et c'est fait, plus de 11 décrets faits, plus de 15, une quinzaine, plus de 12 conseils de gouvernement. C'est un gouvernement qui bosse, un gouvernement qui travaille, les décrets sont là. La protection sociale est mise. Il y a effectivement une application, un début d'application de la loi cadre sur l'enseignement, même si là aussi les grandes réformes comme les problèmes de l'âge d'accès à la fonction, comme la mention, etc., ce ne sont pas des choses qu'on décrète aujourd'hui pour demain, ça se fait dans la durée. Mais je trouve qu'effectivement, sur ce terrain, le gouvernement a pris à bras les corps un certain nombre de dossiers. La question du chômage à Ourache, c'est très important. Très important, c'est très keynésien comme politique. Effectivement, 80% des emplois qui seront créés pour 24 mois et seront des emplois temporaires. Mais en même temps, l'État s'engage. Donc, il y a effectivement, l'État est mobilisé, le soutien du tourisme, le soutien d'un certain nombre de secteurs qui vont être faits, viendra évidemment après le Maroc vert, le Maroc de l'environnement, ça va venir. La question qui est posée aujourd'hui, c'est qu'effectivement, en termes de gestion du court terme, je dirais que ce gouvernement est très efficace. Très efficace parce qu'il a pris à bras le corps les dossiers pour que les Marocains aient des réponses d'aujourd'hui au problème d'aujourd'hui. Le problème du financement, j'ai l'impression que le gouvernement ne se le pose pas. Pourquoi? Parce qu'autant les dépenses sont claires, autant les recettes s'inscrivent dans les réformes à venir. Le code des investissements, la charte d'investissement, le code des impôts, la réforme de l'assiette et tout ce qu'on essaye d'entrevoir en termes de discours, mais pas d'action encore concrète, hier comme aujourd'hui d'ailleurs, ce n'est pas de la faute au gouvernement, sur toute cette économie informelle qui gangrène non seulement des secteurs traditionnels, mais qui aujourd'hui est devenu l'accompagnateur de la majorité des petites entreprises et même des grandes entreprises en termes de sous-traitance. Et donc,
toute cette dynamique s'inscrit. Les transferts des Marocains à l'étranger, ils atteignent les 100 milliards, ne vont pas durer pour des raisons conjoncturelles. Ce n'est pas le moment de revenir là-dessus. C'est le pic dû à un certain nombre de considérations. On en discute tout à l'heure, on ne va pas revenir là-dessus, sauf si vous le souhaitez, évidemment. Par conséquent, si je devais juger l'action du gouvernement sur le court terme et sur les projets, il a fait ce qu'aucun gouvernement n'a fait jusqu'ici. La question du financement, la dette aujourd'hui publique, elle dépasse les 93%, effectivement. La question de la liquidité, du financement de l'économie, la relation avec l'inflation qui va venir, les prix, le prix des matières premières qui augmente. Et par conséquent, est-ce que cette politique d'État social engagé de nature keynésienne pour répondre à l'urgence, mais qui en même temps utilise des soupapes de politique économique et monétaire et budgétaire qui sont de moyen et de longue durée, est-ce qu'elle ne va pas finir par poser des problèmes? Donc c'est une dynamique très importante au Maroc, très très importante, et que donc par rapport à son projet et à sa vision, le gouvernement est cohérent. Mais ce n'est pas là que je l'attends personnellement. Monsieur Menchkroun, sur cette question du financement qui est une, voire la grande question qui se pose aujourd'hui. Oui, évidemment, mais permettez-moi de faire, ce qui est extraordinaire, c'est que la critique était facile avant, parce que les gouvernements manquaient du volet social. Maintenant que nous avons un gouvernement avec un volet social énorme, on lui dit comment tu vas faire. Avant, on lui disait tu ne voulais pas faire. Maintenant, on va lui dire déjà, on a gagné une étape. C'est exprimé, c'est budgétisé. Les décrets sont sortis avec des dates. Pour la première fois, on a des décrets d'application avec cette réforme, telle réforme, parce qu'elle est progressive, commence à telle date. Donc, il y a un engagement précis sur les trois prochaines années au niveau des retraites, l'aide directe, l'AMO, première extension, deuxième extension, etc. Bien. Donc on a évolué, le Maroc est passé à comment vous allez faire. Alors évidemment, la question se pose. Mais si on avait retardé encore, et on va attendre que les finances publiques, que le redémarrage de la croissance soit suffisant pour commencer à imaginer une couverture sociale, on est reparti sur les anciens modèles. C'est ce qu'on a fait avant. Et il faut atteindre ça pour pouvoir financer. Donc il y a une volonté volontariste, il y a un choix volontariste pour dire non, on commence. Oui, il y a un problème de financement. Oui, il y a la possibilité de faire au début un recours à la dette. Oui, ça peut-être en cours de route avoir besoin d'un emprunt national. Oui, toutes les pistes sont ouvertes. Le principal, c'est qu'il y a une volonté. Et ce n'est pas le financement qui pose problème. Ce n'est pas le financement. Le Maroc n'a pas de problème de financement. Tous les bailleurs de fonds sont prêts à nous donner de l'argent. Le problème est sur la ressource humaine. Nous n'avons pas assez de médecins. Nous n'avons pas assez de CHU. Nous n'avons pas assez d'infirmières pour réussir la couverture sociale, pour accueillir les 22 millions de Marocains qui ont une couverture universelle au niveau de la santé. Là est le vrai problème. Là où nous attendons le gouvernement pour avoir plus de visibilité structurelle, de projets, de formation pour accompagner la protection sociale qui est proposée aux Marocains. Ce que je voulais dire, c'est que c'est là où on doit innover au niveau au niveau des ressources humaines. L'État a commencé. C'est passé, personne n'en parle. Les fonctionnaires du ministère de la Santé ne sont plus concernés par le Daher 58 pour les fonctionnaires. C'est-à-dire qu'on peut demain augmenter, le gouvernement peut augmenter 20%, 30%, 40% des fonctionnaires de la santé sans toucher la fonction publique. C'est fait. Donc, il a l'idée d'augmenter
l'attractivité des métiers au niveau de la santé. Il a un schéma qui va être annoncé de restructuration totale du secteur de la santé au niveau régional, au niveau autour du CHU, etc. Il va amener cette loi devant le Parlement, ça va être discuté, critiqué, amendé, etc. Donc il y a une visibilité qui est là, qui est toujours en arbitrage. C'est une majorité, il y a trois partis. Il y a parfois le choix de certaines priorités par rapport à d'autres. Ça se discute, ça se tranche et ça se présente par une loi ou la finalisation d'une loi par un décret, parce que c'est le diable est dans le détail et dans le décret. Donc je ne pense pas que la problématique est un problème de financement. On trouvera toujours l'argent. Mais il faut bien le dépenser et avoir les ressources humaines qualifiées pour et de travail pour réussir cette réforme vraiment extraordinaire. Désolé pour mes amis de la gauche. Alors, pour qu'on puisse laisser assez de place et de temps aux questions des personnes présentes et des questions nombreuses qu'on reçoit aussi sur les réseaux sociaux, je passe au dernier volet, qui est celui des actions concrètes qu'a fait ce gouvernement et dont fait partie évidemment la communication. On l'a beaucoup évoqué en passant. Il a été souvent question de l'absence de communication de ce nouveau gouvernement et une absence d'autant plus remarquée est remarquable quel contraste avec la présence très active, y compris du chef du gouvernement, sur les réseaux sociaux notamment. Là, quand on regarde son compte Twitter, le dernier message date du 7 septembre, donc la veille des élections. Il y avait aussi une volonté de proximité. On a une personne sur les réseaux sociaux qui nous dit, voilà, M. Arnouch a visité beaucoup de villes marocaines pendant la campagne présidentielle, et on a eu, la campagne électorale, et il manque de retour aujourd'hui sur le bilan dressé, sur les besoins de ces villes, sur quel bilan finalement est fait de cette tournée à travers le Maroc. Et voilà, ce qui souligne l'absence de communication et de retour auprès des gens. Est-ce que vous partagez tous ce constat d'une absence de communication, ou est-ce que, comme vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Driss Khrouz, c'est une autre forme de communication, et si oui, laquelle? Parce que certains la qualifient de corporate, c'est-à-dire plus organisée par des cabinets de conseil qui donnent une stratégie unique à tous les membres du gouvernement. Par exemple, tous les ministres aujourd'hui ou quasiment ont un profil LinkedIn sur lequel ils communiquent sur leurs activités. On a l'impression qu'il y a des consignes qui sont données, mais qui ne se font pas dans la proximité, ni avec l'opinion publique, ni effectivement avec les médias. Alors, votre sentiment à tous les trois par rapport à ça? Youssef Blel, peut-être? Oui, alors, d'abord, très rapidement sur la question du financement. Et là, c'est lié aussi à une question de choix politique qui est fait. Aujourd'hui, on a vu les hésitations, les atermoiements du gouvernement sur la question de l'enrichissement illicite. Et aujourd'hui, on est incapable de dire quelle est la position du gouvernement sur ça. Alors, juste, vous faites bien de le rappeler, parce qu'en termes de communication, un des reproches qui a été fait, c'est celui du retrait du projet de réforme du code pénal qui traîne depuis maintenant presque 6 ans, bientôt 6 ans, et dont un article concernait précisément l'enrichissement illicite. Et personne n'a compris que ce code pénal, ce projet de réforme soit retiré en l'absence de communication totale. Absolument. Donc là, ça pose un sérieux problème, parce que ça touche à la question du financement. C'est un exemple aussi de manque de cohérence par rapport à la communication, par rapport à la ligne politique de ce gouvernement. Est-ce que sa position au gouvernement aujourd'hui est en quelque sorte favoriser, légaliser l'enrichissement illicite et de ne pas le pénaliser? Donc ça pose un sérieux problème ici éthique et politique par rapport à ça. Et qui pose aussi la question de savoir si, plus généralement par rapport au code pénal, par rapport à son importance sur le plan, pas simplement sur la question du financement, mais sur la question aussi des libertés publiques. Aujourd'hui, on est dans un climat politique
qui est délétère sur la question des voix critiques aujourd'hui, sur les journalistes qui sont en prison, sur des activistes politiques qui sont en prison. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps d'avoir une forme de prémisse à une réconciliation politique, à une ouverture. Donc, et ça implique d'avoir des gestes forts et d'avoir une vision politique par rapport à ça. On a vu les hésitations et le retour en arrière du ministre de la Justice lorsqu'il a parlé de la question des détenus. Des activistes du RIF. Et donc, par rapport à ça, il y a une question fondamentale qui est de savoir aujourd'hui si, justement, et pour revenir, et c'est lié fondamentalement à la question institutionnelle, parce qu'on ne communique pas sur quelque chose, sur des décisions qu'on ne prend pas. On ne communique pas sur si on n'a pas de ligne politique qui guide l'action gouvernementale. Et je crois que c'est ça le fond du problème, parce que si aujourd'hui le périmètre des décisions ou le fait d'avoir dans l'esprit de la Constitution actuelle, d'avoir un champ qui est censé être un champ clair du chef du gouvernement et puis un champ partagé entre le chef du gouvernement et le roi, il y aurait un certain nombre de questions aujourd'hui qui permettraient à un chef du gouvernement qui aurait une vision politique claire, une ligne politique claire, de dire voilà ce qui guide l'action de ce gouvernement, et c'est à partir de là que on explique des décisions qui ont été prises, que on adopte une approche participative dans laquelle on va, et c'est ça le principe de l'action politique. Parce qu'on parle beaucoup de la technocratie, de la compétence technique, techniciste, mais il y a aussi une compétence politique. Et cette compétence politique, c'est principalement une compétence d'interaction avec l'opinion publique, d'interaction avec les catégories qui sont directement concernées par les décisions. Lorsqu'on prend la décision d'imposer le pass sanitaire, ou lorsqu'on prend la décision de fermer les frontières, ou lorsque... on prend la décision de limiter un âge donné pour le recrutement au niveau de l'éducation nationale. Tous ces les protestations que l'on a vues au moment où ces décisions ont été formulées par le gouvernement, en réalité, elles révèlent le manque de préparation, le manque de concertation, le manque de travail politique qui, justement, consiste à faire en sorte que ceux qui sont concernés par ces décisions sont associés au mécanisme de prise de décision. Parce, comme ça, lorsque la décision est prise, elle ne fait pas, elle n'est pas à caractère brutal, brusque, inattendu, qui crée l'incompréhension et est un vecteur de protestation. Et donc, à partir de là, ce manque de compétences politiques se traduit par une incohérence en matière de communication. Parce qu'une décision qui n'est pas communiquée, c'est une décision qui n'existe pas. Une décision qui n'est pas préparée est une décision qui peut être vouée à l'échec. Et donc, à partir de là, je suis dans une situation un peu interloquée par le fait que dans ce gouvernement, il y a aussi des personnes, par exemple au niveau de l'Istiqlal, qui ont cette compétence politique. Mais on ne la voit pas aujourd'hui. Elle n'est pas. Donc il y a des. Mais ça ne se traduit pas par le. Et je ne l'attends pas tellement au niveau du chef du gouvernement, parce que je ne pense pas qu'il a ni le background, ni le profil pour faire cela. Mais le fait qu'il ne s'épaule pas, par exemple, de ceux qui seraient en mesure de porter politiquement cette vision-là, fait en sorte que
il y aura toujours une question par rapport à la crédibilité politique de ce gouvernement. Monsieur Montreux. Merci. La lecture que je fais de la relation entre la décision politique, sa mise en œuvre et puis sa transmission sociétale de ce gouvernement, ce n'est pas un manque de communication. C'est un gouvernement qui est à la recherche d'un autre mode de communication pour trois raisons. La première, c'est qu'effectivement, le Marocain moyen, on n'a pas de sondage, mais en gros c'est ça, a totalement perdu sa confiance dans les déclarations des politiques depuis des années et des années. Et donc, tout ce qui est déclaratif est très mal vu. M. Arnouch a fait un très, très bon travail d'homme politique depuis 2016. C'est quelqu'un qui m'a personnellement impressionné, moi qui ne suis pas de son parti ni de son gouvernement. Il a fait un travail impressionnant de quelqu'un qui vient du monde de l'entreprise et qui gère quelque part, le gouvernement comme étant une méga entreprise à caractère social, entreprise citoyenne. Et ce n'est pas négatif ce que je dis. Et donc la communication vient de la culture politique de ce gouvernement. Bien sûr qu'il y a des hommes politiques et des femmes politiques, mais l'objectif de ce gouvernement, c'est de prendre le nouveau modèle qui n'est pas une vision du gouvernement, qui sont des principes et des chartes de valeur pour le Maroc de demain. Il le prend comme une vision, comme une stratégie, comme un projet de société, ce qui n'est pas. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec les grandes lignes du modèle. Mais ce n'est pas un projet de société. Ce sont les principes directeurs du Maroc que l'on veut dans le projet de société. Sachons de quoi on parle. Et donc, le programme d'un gouvernement ne peut pas être le modèle. Le modèle, il est très bon. Le programme du gouvernement ne peut pas. Et mon problème, c'est cela. Par conséquent, la communication que cherche le gouvernement, un, elle veut être différente sur le plan de ce qu'on a appelé le populisme de l'époque, une rupture. Deux, c'est un gouvernement, et je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je suis l'actualité, qui veut communiquer sur ce qui est fait, en partant du principe « je le dis, je le fais », et « je le fais et je le dis ». On verra ce que ça donne. Troisième vecteur de cette communication, c'est un gouvernement qui veut communiquer, comme le font aujourd'hui, en gros, les mécanismes des réseaux sociaux, de l'Internet. Et que donc, les communications par les voies traditionnelles ne sont pas la voie de ce gouvernement. Quand on voit un certain nombre de déclarations officielles, officieuses, d'un certain nombre de responsables politiques des trois partis, pendant des années, avant qu'ils ne soient au gouvernement, ils sont très critiques vis-à-vis des partis politiques, même s'ils en font partie, très critiques vis-à-vis des syndicats, très critiques vis-à-vis des associations, très critiques vis-à-vis des médias. Ils cherchent un autre mode de communication. Peut-être qu'ils vont innover. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas. Ils n'ont pas un mode de communication traditionnel. À la Ben Kiran, à la Youssoufi. Non. Ils cherchent autre chose. Vont-ils réussir ? Je me pose la question, mais je ne peux pas aujourd'hui, au terme de 100 jours, dire qu'ils ne communiquent pas. Ils ne communiquent pas comme leurs prédécesseurs. Mais la communication de leurs prédécesseurs était une catastrophe. Alors, M. Ben Chkron, est-ce que vous partagez ce regard? Et est-ce que le modèle traditionnel, parce que M. Chkron vient de dire qu'il communique, mais pas comme ceux d'avant, ou comme le modèle traditionnel, mais est-ce qu'il n'y avait pas du bon aussi dans le traditionnel? Par exemple, une bonne conférence de presse avec des journalistes pour annoncer des choses comme une fermeture de frontières ou un pass sanitaire. Est-ce que ce ne serait pas préférable à cette communication qui passe par des communiqués qui tombent à la dernière minute et sans interlocuteur à qui demander des précisions ou des éclairages sur les décisions prises? Est-ce qu'il fallait tout jeter dans les autres modèles de communication et à quoi faut-il s'attendre avec ce gouvernement à l'aune de ce qui a été fait durant ces 100 premiers jours? D'abord, je suis toujours d'accord avec mon ami. Quoi qu'il dise, je signe. D'accord? Deuxièmement, je ne vais pas laisser passer une chose pour clarifier. La Constitution est claire. Ce qui passe par le Conseil des ministres passe par le Conseil des ministres qui est présidé par Sa Majesté. Ce qui ne passe pas par le Conseil des ministres passe par le Conseil de gouvernement et le gouvernement est responsable de ce qui passe dans le Conseil de gouvernement. Les lois sont claires. Donc nous avons un chef d'État qui préside le Conseil des ministres et les canaux au niveau des lois sont établis, ils sont respectés jusqu'à preuve du contraire.
Maintenant, les choses peuvent s'améliorer, vous pouvez toujours critiquer de ce qui se passe derrière, etc. Mais le Maroc évolue dans ce sens-là. On a plus de visibilité législative et toutes les lois doivent passer au Parlement, votées par une majorité qui doit assumer ses responsabilités. Et certaines lois qui sont passées par le Conseil de gouvernement, le Conseil des ministres, sont restées bloquées par le PJD au Parlement. Donc, lorsqu'il y avait une divergence, il bloquait, entre autres, le code pénal sur la réforme de l'avortement, etc. etc. Le politique joue au niveau du blocage, au niveau du Parlement, sur la communication. On est d'accord, tout le monde est d'accord. Et on sera d'accord pendant 5 ans. Quoi que fasse ce gouvernement, on le critiquera parce qu'il devra communiquer plus et mieux. C'est classique. C'est dans un couple, la première phrase qui vient, il faut améliorer la communication dans un couple. Il y a des choses qui sont tellement évidentes, mais il faut aller dans le détail. Il va communiquer, il n'a encore rien fait. Il va communiquer sur quoi ? Prochainement sur vos écrans, je vais lancer à Orange. Prochainement sur vos écrans, je vais augmenter avant de négocier avec les enseignants, il va commencer à annoncer l'augmentation des salaires de l'enseignement. Non, mais ce qui a été reproché, c'est juste pour nourrir le dialogue. Hein. Je fais l'avocate du diable parce que c'est mon rôle. Mais par exemple, sur la décision concernant la réforme de l'éducation, que ce soit le changement de l'âge des personnes recrutées ou les annonces qui ont été faites, on a reproché qu'il n'y avait même pas de concertation avec les acteurs concernés. C'est faux. Sylvain Moussa n'a fait qu'appliquer ce qui a été voté dans l'ancien gouvernement qui s'appelle la loi cadre. Il y a dans la loi cadre cette disposition qui a été proposée par l'ancien gouvernement, qui a été votée au Parlement, qui a été lue et relue par les syndicats et les partis politiques, et tout le monde lui tombe dessus comme s'il découvrait quelque chose qui n'a jamais été. C'est écrit, c'est même pas lui qui a fait la loi, c'est Ben Moussa. C'est écrit que dans la loi cadre, allez vérifier, que c'est 25 ans. C'est Ben Moussa a fait l'effort, parce que c'est une année de transition, de le monter à 30. Donc il y a des problèmes, les gens ne lisent pas, n'analysent pas. Les procès sont trop faciles. Non, mais justement, ça montre qu'il y a un problème de communication. Oui, je ne dis pas qu'il avait tort ou raison, je ne suis pas là pour ça. Non, il y a un problème. Je dis juste que le fait que ça a été perçu comme ça, c'est qu'il y avait un défaut d'explication dans la démarche. Bien sûr, évidemment. Évidemment, il fallait qu'il vienne, qu'il explique, qu'il se réunisse, qu'il aille au Parlement, qu'il fasse une conférence de presse, qu'il y ait un relais avec les parents d'élèves, etc. Tout ça, c'est évident. Dès qu'il y a un incident et le défaut vient de la communication, il faut corriger. Il faut corriger. Lorsqu'on commet une erreur, on la corrige, c'est tout. Mais il faut, ces gens, ces ministres sont en train de prendre leur marque et de trouver les moyens, l'équilibre entre les annonces nous allons faire, et avoir quelque chose à présenter de réel. Voilà, il y a un texte qui est passé, un décret a été passé. Oui, la couverture des gens des taximans, oui, elle a commencé, le premier, etc. Ils commencent, ils partent, ils trouvent, etc. Donc, c'est un arbitrage. Je ne défends pas le gouvernement. Je ne défendrai jamais le gouvernement sur le plan de la communication. Il faut qu'il communique 10 fois plus, 100 fois plus, quitte à revenir. Je vous donne un exemple énorme. Il est lié au sujet du financement de la protection sociale. Sur quoi mise, entre autres, le gouvernement ? Sur la CPU. Cette contribution professionnelle unifiée qui va, est censée, élargir l'informel et les petits métiers et l'épicier, etc., pour avoir un maximum pour financer ça. Ils l'ont passé, c'est énorme, ils ont passé les pourcentages discrètement, alors qu'il faut faire une campagne au niveau national, à la télé, à la radio, convaincre les gens de s'inscrire parce qu'ils auront la retraite, ils auront la couverture, etc. On a une très bonne action, extraordinaire, finalisée, des textes sont sortis, les cautions sont sorties, et puis discrètement, hop. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas communiquer ou parce qu'ils ne veulent pas communiquer ?
C'est un dilemme. Vous allez inviter les ministres, vous les mettez sur un divan et vous leur posez la question. Si seulement ils disaient oui aux invitations. Lequel ? Je vous la ramène, moi. Lequel ? Non, mais c'est... Ah non, Arnaud, c'est lui. Il est absent. Non, mais ça, sincèrement, c'est une vraie question, parce qu'en tant que journaliste, très sincèrement, et c'est pas propre à ce gouvernement... Vous êtes frustré de ne pas pouvoir demander directement question à ces... Je ne vais pas vous mentir, je ne parle pas de M. Arnouch en particulier, mais les responsables politiques se montrent très frileux pour venir exposer leurs idées, leurs orientations idéologiques, pratiques, techniques. Et c'est une vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une peur parce qu'on n'a pas envie de s'exposer? Je ne crois pas que ce soit un manque de compétences personnelles des ministres, parce que je suppose que si on les a mis à ces postes-là, c'est qu'ils sont en mesure d'expliquer et de communiquer. Parce que vous parliez de communication, mais la communication, c'est un dialogue. Ça ne se fait pas à sens unique par des communiqués. Oui. Donc, d'où la question. Après, je m'arrête là parce que je ne suis pas censée donner mon avis, mais c'est juste pour vous répondre. Soyez pas gentils avec eux, mais accordez-leur au moins le temps de respirer. Ils sortent il y a deux... Le problème de la proximité pose problème. On sort d'une campagne électorale qui était compliquée. Ils ont pris la parole partout, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Donc ils rentrent en responsabilité, laissez respirer le politique et critiquez-le après. Si en juin, personne ne bouge, personne ne communique, il faut taper sur la table. C'est pas normal, les Marocains ont besoin d'explications. Merci pour tous ces éclairages. Vous pourrez continuer à apporter vos réflexions, mais je vais peut-être commencer à donner la parole aux personnes présentes et on prendra aussi quelques questions que les internautes nous ont envoyées. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a un micro dans... Voilà. Monsieur, ici. Bien, les 100 jours, les 100 premiers jours d'un gouvernement, c'est ce qu'on appelle l'état de grâce. Et cet état de grâce a été extrêmement fort, parce qu'il était porté par des attentes extraordinaires, ceux d'une rupture, avec 10 années d'un gouvernement pour le moins conservateur, et par cette leçon de démocratie donnée au monde, d'un parti fondamentaliste qui a quitté gentiment le pouvoir, qui est rentré tranquillement avec ses troupes dans ses cellules, sans faire d'histoire. Donc, état de grâce, et l'état de grâce généralement, surtout quand il est aussi bien construit, sert, en tout cas, les gouvernements s'en servent pour faire passer les sujets qui fâchent, évidemment. Et là, je dois avouer qu'il y a quand même une certaine frustration, parce que les sujets qui fâchent, Dieu sait s'il y en a. Dieu sait si ce gouvernement qui arrive en une rupture, avec une volonté de changement évidente, avec une dream team fantastique, de têtes bien faites, de compétences avérées. Et puis, bon, ces 100 premiers jours nous ont laissé quand même, en tout cas moi personnellement, sur ma faim. Je ne pense pas être le seul, parce que l'enquête sur le moral des ménages montre que les gens n'ont pas vraiment le moral, il est plutôt dans les chaussettes. Ensuite, effectivement, ils travaillent. C'est clair qu'ils travaillent. Ils travaillent bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Les choses qui sont en train d'être faites sont tout à fait remarquables. Mais on ne le sait pas. On ne le sait pas. Moralité,
on a le moral dans les chaussettes, on n'y croit plus, des illusions, etc., etc. Donc moi, ma question, messieurs, c'est, à votre avis, qu'est-ce que ce gouvernement devrait faire pour ranimer cette adhésion, pour susciter cette adhésion, pour relancer l'optimisme dont il va avoir besoin, parce que il a besoin d'être soutenu, il va avoir besoin d'être soutenu, parce que la tâche est loin d'être simple, les problèmes sont nombreux, on se focalise toujours sur ce qui est conjoncturel, mais les problèmes structurels sont phénoménaux. Il y en a donc qu'on n'aborde jamais, le réchauffement climatique et les effets du réchauffement climatique sont jamais abordés alors qu'ils vont impacter de façon extrêmement violente le pays lors de ces 20 prochaines années. Donc le gouvernement, qui a tous les moyens, hein, c'est des gens tout à fait capables, va avoir besoin de cette adhésion. Alors qu'est-ce que vous pensez? Quel est, à votre avis, qu'est-ce qu'il devrait faire, à part de communiquer 100 fois plus, qu'est-ce qu'il devrait faire pour essayer de ranimer la flamme? Merci. Alors, peut-être pour compléter votre question, je vais juste prendre une question d'internaute. C'est une question qui vous est adressée, Monsieur Khrouz. Si on s'arrête un moment sur l'avis des institutions et la présence du gouvernement dans les couloirs de nos assemblées législatives, le chef du gouvernement n'y a pas fait beaucoup d'apparitions. Même en ne considérant que la période concernée des 100 jours, le gouvernement n'a soumis que 2 projets de loi et 9 conventions international, auquel il faut ajouter les 12 projets de l'ancien gouvernement. Et les membres du gouvernement n'ont répondu qu'à 222 questions orales sur un total de 2031 et 405 questions écrites sur un total de 1652. Est-ce que tout cela est bon pour la démocratie et la marche de nos institutions? Donc cet internaute souligne la faiblesse des réponses du gouvernement aux questions posées dans l'enceinte du Parlement, questions orales et écrites confondues. Et puis ça rejoint une autre question posée par une autre personne, peut-être pour vous et Monsieur Blel. Jusqu'à quand va-t-on parler de transition démocratique? Est-ce qu'il n'est pas temps d'implémenter une démocratie réelle? Merci. Merci Ismaël. Merci Alain. Le gouvernement, au terme des 100 jours, c'est un gouvernement qui s'est formé rapidement, qui s'est mis au travail de façon sérieuse et de façon modeste. On trouve quelque part les qualités des non-professionnels de la politique. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas politiques. C'est qu'ils n'ont pas de carrière à construire sur la politique. Par 2 ou 3, mais les autres, demain, ils quittent le gouvernement, ils reprennent leur projet, leur consultation, leur cabinet, leur Internet, etc. C'est un gouvernement qui s'est donné pour mission de faire une bonne impression en mettant en marche les dossiers déjà prêts. La loi cadre, elle est prête. La protection sociale a été suffisamment travaillée. Ils ont effectivement manqué de communication traditionnelle. Mais pourquoi ont-ils communiqué autrement ou essaient-ils de communiquer? Parce qu'ils ne sont pas des politiques, au sens de réseau politique. Et que donc ce gouvernement ne travaille pas avec les partis qui constituent le gouvernement. Le RNI, le PAM et les CIRCLEL, en tant que partis ramification, ne sont pas encore, je dis bien encore, ils le seront peut-être, mis à contribution, ils le seront peut-être dans la question de l'enseignement. Les enseignants sont assez intéressés à leur carrière et donc s'inscrivent politiquement quand il s'agit de l'échelle, et de la promotion et des intérêts, ce qui est normal. Et la question de l'enseignement est fondamentalement politique. C'est un gouvernement qui, jusqu'à aujourd'hui, évite les questions qui fâchent. Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas mis sur la table un seul dossier qui soit politiquement un dossier de débat et qui met à contribution le Parlement, qui montre la faiblesse de l'opposition, l'éparpillement de l'opposition et qui pourrait peut-être mettre aussi en examen la cohérence de la majorité, non pas dans le gouvernement, mais aussi dans le Parlement. La question du code pénal, je ne sais pas. Personnellement, je ne crois pas que le code pénal ait été retiré pour une question d'enrichissement illicite. Je crois que M. Oebi ne s'inscrit pas dans ce code pénal. C'est son droit le plus absolu. C'est son droit le plus absolu, il l'a dit. Et que donc que le gouvernement demande du temps pour refaire une autre mouture
et que cette mouture soit expliquée d'abord dans le cadre de cette majorité qui est liée par un pacte. Et c'est très bien. Et ils s'y tiennent. Moi, je trouve que c'est très bien. Est-ce que c'est une solution de facilité ? Point d'interrogation. Est-ce que c'est une solution de crise ? Peut-être. Mais en tout cas, aujourd'hui, je constate que le gouvernement a travaillé sur les dossiers mûrs et il évite les dossiers qui fâchent, mais en même temps, en son jour, on ne peut pas faire de miracle. Par rapport au travail législatif, le gouvernement n'a pas encore planché sur les questions. Puisse-t-il, lui qui a pu mettre en exécution rapidement un certain nombre de décrets, ce que le gouvernement antérieur n'a pas fait dans toute la législature. Ce gouvernement a rapidement mis en application un certain nombre de textes de loi. Mais va-t-il aborder les lois qui ne sont pas encore suffisamment mises en place ? Va-t-il s'attaquer à un gros dossier dont personne ne parle ? Toutes ces décisions que la loi suprême, votée par les Marocains le 29 juillet 2011, des articles entiers de la Constitution qui ne sont pas mis en valeur et dont personne ne parle, ni ce gouvernement, ni celui d'hier, ni celui d'avant-hier. La question posée par... Et puis je vais vous donner une question envoyée aussi par les internautes, comme ça on complète. C'est une question qui vous est adressée. Le gouvernement a toute latitude pour proposer des modifications au projet de loi de finances sur la base de sa déclaration de politique générale et les limitations, ou en tous les cas les questions posées par la gestion de la crise sanitaire étaient parfaitement prévisibles. Pourquoi alors considérer que ce gouvernement a été dans l'obligation de prendre à son compte la copie du gouvernement précédent ? C'est trop facile parce que la loi de finances devait être présentée conformément à la loi cadre et à la Constitution le 20 octobre. Le 20 octobre, il faut déposer. Le gouvernement est obligé de déposer. Comment voulez-vous refaire une loi de finances en 24 heures ? Et sachant que la loi de finances, lorsque vous proposez une dépense, un dirham supplémentaire, il faut proposer son financement. Puis les équipes n'étaient pas opérationnelles pour rentrer dans les dossiers. Et donc, il faut être pragmatique. Le gouvernement a choisi d'être pragmatique. Il aurait dû mieux expliquer que c'est une transition et que telle mesure sur le pouvoir d'achat, sur la classe moyenne qui a manqué, allait figurer sur la prochaine loi de finances. Par exemple, lancer la projection et expliquer pourquoi il a choisi l'emploi plutôt que l'augmentation des salaires. Parce que la classe moyenne a quand même souffert de ces dernières années, et entre autres pendant le Covid. Donc le problème de la communication se prête, et puis sur la loi de finances, ils ont essayé de faire au mieux, et il était difficile de refaire une loi de finances. Généralement, il ne faut pas oublier que généralement, c'est à chaque transition de gouvernement, c'est quelque chose qui est habituel, c'est pas un défaut de ce gouvernement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vous voulez répondre ? Ah, pardon, allez-y. Sur la question de la transition démocratique, est-ce qu'elle est pertinente ? Je crois que depuis un certain temps, on ne l'utilise plus. Elle est très 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 en vogue au moment du gouvernement Youssefi dans les années 2000, puis encore en 2011. Je crois qu'on est aujourd'hui, on est dans le système politique marocain. C'est un système hybride. C'est un système qui combine des traits démocratiques dans le sens où vous avez un gouvernement qui est censé être issu des urnes et qui a une légitimité électorale. Et puis on a un pouvoir royal qui se réclame d'une autre légitimité, qui est historique, religieuse, dynastique et autres. Donc la question, c'est de savoir dans la longue durée,
et au moins à partir des années 90, la manière dont on a des cycles, en quelque sorte, ou de participation politique, l'espace d'action démocratique, issu soit d'un accord politique, et donc il y a une signification politique, soit issu d'un contexte, donc une signification politique, c'est-à-dire comme le gouvernement Youssefi en 1997-98 ou le gouvernement en 2011, ce sont des moments d'élargissement de l'espace démocratique qui fait que la société est directement représentée à travers ce mécanisme d'élection et qui a une signification politique. Or, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette configuration-là. Ce gouvernement n'a pas de signification politique dans le sens où il soulèverait un espoir venant de la société, ou en tout cas une bonne partie de la société, qui aspire à un minimum de justice et qui voit dans les gouvernants, ou une partie des gouvernants, une forme de proximité, une forme qui voit dans les dirigeants qui sont dans le gouvernement, des dirigeants capables de porter cet idéal de justice, de liberté politique et autres. Et donc, ils donnent une crédibilité politique, une crédibilité à l'action politique. Donc, à partir de là, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette configuration-là, parce que nous sommes avec, en tout cas, un parti qui est à la tête du gouvernement, qui ne se réclame pas du tout de ça, au contraire, revendique autre chose, qui revendique sa proximité au centre du pouvoir, qui ne se revendique pas de sa capacité à porter un idéal de justice ou un idéal de liberté politique. Donc à partir de là, cette question c'est moins une question de transition qu'une question de cycle d'élargissement de l'action de l'espace démocratique, entendu au sens où on a des gouvernants qui, à un moment donné, représentent l'idéal de justice et qui rendent des comptes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, monsieur. Bonsoir. Je pense que tout le monde s'accorde sur le fait que 100 jours reste une durée qui ne permet pas de faire un vrai bilan de l'action gouvernementale. Maintenant, en prenant en considération plusieurs facteurs. Premièrement, qu'il y ait un projet de société, un projet porté par Sa Majesté. C'est le nouveau plan de développement du Maroc. Donc, en prenant en considération cette variable qui est très importante et qui dicte en quelque sorte l'action du ou des différents gouvernements futurs, une orientation majeure. En prenant en considération le fait qu'il y ait un contexte sanitaire qui impacte bien entendu le monde entier, et notamment qu'il y a des conséquences au niveau social, au niveau économique et autres. En prenant en considération que même monsieur le chef du gouvernement s'est prononcé clairement là-dessus, il s'est dit qu'il s'inscrit, que son action, l'action de son gouvernement s'inscrit dans le cadre de la vision royale. Alors, vu que 100 jours ne sont pas suffisants, là je m'adresse à M. Khlouz, une question simple. Dans la perspective d'un débat que j'espère aura lieu ici même dans 256 jours, quels seront, à votre avis, quels sont les grands dossiers que nous allons nous permettre en fait de juger, de qualifier, et sur lesquels nous attendons, le peuple marocain attend des livrables de la part de ce gouvernement. Merci beaucoup. Vous avez fait allusion à Sa Majesté, vous avez raison. Sa Majesté n'est pas chef de gouvernement, c'est le chef de l'État, c'est l'arbitre suprême selon la Constitution. Si chaque gouvernement dit « moi j'applique les directives de Sa Majesté », on n'a pas besoin de gouvernement. Vive le roi. Il faut être très clair, moi je parle en termes d'institution. En termes d'institution, le gouvernement, il a une marge d'autonomie. Bien entendu que toutes les décisions passent par le Conseil des ministres, présidé par Sa Majesté. Bien entendu que tout est débattu, bien entendu que nous sommes au Maroc. Mais
dire qu'une stratégie de gouvernement ne consiste pas à dire « j'applique les directives de Sa Majesté », pour moi, ce n'est pas un projet de société. Ce n'est pas une stratégie de gouvernement. De la même chose pour le nouveau modèle de développement qui, je l'avais dit plusieurs fois. Les questions qui, les dossiers qui, pour moi, sont prioritaires par rapport à ce que le Maroc a accumulé, qui est très important. Nous avons la chance, c'est très important, d'avoir un système politique qui fonctionne, avec beaucoup de billets, mais qui fonctionne. Il y a des partis. On n'a pas de parti unique. Il y a une défaillance énorme vis-à-vis des urnes, comme dans tous les pays du monde. Il y a un manque de confiance dans tout le politique, comme dans tous les pays du monde. Mais nous sommes dans la cambouille pour travailler. Le dossier de la régionalisation, le dossier du sous-emploi, aujourd'hui le sous-emploi des femmes au Maroc est de 20%. C'est quand même un scandale. Le problème de la médiocrité de l'enseignement depuis des siècles et de réforme en réforme. Aujourd'hui, la vision, elle est là. Elle est là, la vision. Le ministre qui est en charge de ce dossier est un monsieur qui connaît bien son travail. On verra ce qu'il va faire. Mais c'est un dossier qui ne peut réussir que si le gouvernement élargissait sa base de concertation et de participation. Parce que la majorité des réformes de l'enseignement ont été bloquées par les acteurs de l'enseignement qui n'ont pas été suffisamment mis en contribution ou qui trouvaient que les projets ne correspondent pas à leurs intérêts, légitimes ou non légitimes. Donc la réforme de l'enseignement, ce n'est pas simplement un problème d'âge, ni un problème de recrutement, ni de formation. C'est un problème de poser tout ce bazar sur la table et de recommencer à zéro. Et donc tout ce qui a été fait depuis la loi, la réforme, la COSEF de Feu Belfke Mzian, qui a été un travail remarquable sur le plan politique. Les choses n'ont pas été appliquées. Aujourd'hui, on ne va pas recommencer. Comment partir de là? Il faut poser le problème de l'enseignement en termes politiques. Puisqu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le nouveau modèle qui trace les horizons. Nous avons la loi cadre qui met tout le monde sur les rails et qui fait que les grands dossiers stratégiques du Maroc sont gérés par les ministres de souveraineté. Il faut les mettre à contribution pour que justement les grands dossiers politiques, j'ai parlé de l'enseignement, j'ai parlé de l'alphabétisation, j'ai parlé de la qualité de l'enseignement, j'ai parlé de la régionalisation et des pouvoirs locaux. On parle de la régionalisation avancée, de la meilleure du monde, mais rien ne se fait. Pourquoi? Parce que la région n'a ni structure, ni financement, ni personnel. Personne ne parle de corruption aujourd'hui. Il n'y a plus de corruption au Maroc. Il n'y a plus de corruption au Maroc. La justice au Maroc, il y a des réformes très fortes qui sont engagées. Elles sont loin, 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 loin d'aboutir. On n'en parle plus. On parle de la justice sociale. La justice sociale dans le projet du gouvernement. C'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure que les grands dossiers politiques sont à ressortir. Ils le seront probablement au bout d'une année de législature. Si la loi de finances pose problème, le gouvernement peut proposer une loi de finances rectificative. Le jeu institutionnel le propose. Il peut le proposer. Et sûrement qu'elle va arriver. Pourquoi? Parce que toutes ces dépenses programmées ne sont pas sûres d'être financées par les mécanismes mis en place aujourd'hui. Quand on me dit qu'un des grands projets du gouvernement, c'est d'intégrer le secteur informel dans le formel. Mais si le secteur informel avait intérêt à être intégré, il l'aurait été tout seul. Il ne le sera pas tant qu'il n'a pas intérêt à le faire. Et là, l'entreprise au Maroc, l'entreprise formelle, utilise le biais de l'informel. Voilà un mécanisme dont on ne parle pas. C'est pour ça que je dis que sur le plan pédagogique, c'est très bien qu'on commence par les dossiers qui sont mûrs, qui ont un caractère d'urgence immédiat et qui ont une espèce de répondance sur les réseaux sociaux. Viendra le temps des grands dossiers et je crois que l'équipe actuelle va s'y atteler. Réussira-t-elle? Je n'en sais rien, je le souhaite.
Alors, juste parce que vous avez évoqué notamment la question de la corruption, il y a plusieurs questions des internautes. Alors, je les regroupe pour faire vite, mais il y en a deux qui portent sur cette question de reddition des comptes. Une des personnes qui nous suivent nous parle de la Cour des comptes. La Cour des comptes a toujours signalé des erreurs de gestion, mais le gouvernement se positionne où exactement pour rectifier ces tirs? Une autre personne parle du Conseil de la concurrence en demandant pourquoi est-ce qu'une entité si importante pour suivre et légiférer au sujet de la concurrence est toujours en berne, et le fait que le gouvernement actuel n'ait encore pris aucune mesure concernant ce sujet, est-ce que ça met fin à toute espérance de combattre la mauvaise gestion et le pillage? Voilà, j'ai essayé de regrouper les questions. Monsieur Benchkroon, peut-être? Le micro. Évidemment, moi aussi je me pose les mêmes questions que votre internaute. Mais c'est ce qu'on appelle, la question était, si on revient dans 250 jours ou dans 500 jours, quelle sera notre approche? Moi je pense que rapidement le gouvernement doit donner des signaux sur l'amélioration de la gouvernance en général, entre autres toutes ces institutions qui posent question. Les gens s'interrogent, quel est le nouveau rôle de le Conseil de la concurrence, pourquoi les rapports de la Cour des comptes n'aboutissent pas systématiquement, etc. C'est des questions légitimes dans le débat démocratique. Donc moi je l'attends sur la gouvernance. Il faut des avancées sur la gouvernance, il faut des avancées claires sur le capital humain, c'est-à-dire l'enseignement et la formation professionnelle. Il y a un gros chantier de la formation professionnelle qu'il ne faut pas rater. Sur la régionalisation, il doit bouger, ce n'est pas encore ce qu'il y a. Sur la réforme de la retraite, il y a urgence. Sur cette histoire de réindustrialisation, il faut bouger. Et on attend aussi le gouvernement sur la diminution des inégalités. Mais au-delà de tout ça, permettez-moi une conclusion. Tout ça, le Maroc est appelé à le faire, à réussir une partie, à porter d'autres, à décaler. Mais il y a d'autres horizons qui s'ouvrent. Nous avons d'autres problèmes inattendus. C'est que demain, il faudra vivre avec les pandémies, il faudra vivre avec la dette, il faudra vivre avec le changement climatique, les problèmes de l'eau, et vivre avec la transformation digitale et l'emploi, et la migration de masse. Donc ça, c'est d'autres grands problèmes qu'il ne faut pas écarter parce qu'il y a urgence et parce qu'il y a des réformes immédiates à faire. Merci. Vous avez pris un peu d'avance. J'allais proposer d'autres questions, peut-être une dernière s'il y en a, sinon on va effectivement conclure. Voilà, il y a une dernière question. Bonsoir. Merci déjà pour ce débat enrichissant. Je souhaiterais revenir sur la question de la communication. J'entends votre message, Rose, lorsque vous dites qu'ils communiquent différemment. Certains communiquent même sur Instagram, qui est plus un réseau social de communication par image que par les mots. Enfin, personnellement, je trouve ça un peu dommage pour des politiques. Mais ce n'est pas ça la question. Ma question, c'est justement par rapport au chef du gouvernement. Enfin, les précédents chefs du gouvernement nous ont habitués à des émissions télévisées en direct. Ce soir, c'est Aziz Arnouch, pour sa première sortie médiatique, préfère faire une émission enregistrée. Est-ce que ce n'est pas peut-être un retour en arrière? Est-ce qu'un gouvernement n'est pas censé déjà consolider les acquis, mais surtout rehausser le niveau au vu des... de la confiance que le peuple a placée en lui et des promesses qu'il a faites? Ça, c'est une question. Une deuxième, si vous permettez. Le gouvernement, lors de son investiture, avait annoncé la nomination ultérieure des secrétaires d'État. Plus de 3 mois après, ils n'ont toujours pas été nommés. Est-ce que cela ne cache pas peut-être des mésententes au niveau de la coalition gouvernementale? Merci. Alors, je vous propose, de répondre à cette dernière question et en même temps de dire un mot de la fin pour qu'on puisse ensuite conclure. Oui, allez-y. Enfin, merci. Vous trois. J'ai fait tout à l'heure une lecture de la communication telle que ce gouvernement la veut. Mais il reste évidemment qu'il n'y a pas de communication supplémentaire s'il n'y a pas un débat, un échange avec les journalistes, avec les associations, avec les élèves, avec les étudiants.
et pas simplement le parti ou le gouvernement ou le Parlement. Et il est évident aussi que la nature politique d'un certain nombre de ministres fait qu'ils ne sont pas issus de cette dynamique politique de communication, de débat, de controverse, où on peut accepter la critique, où on peut accepter de critiquer le gouvernement sans se sentir soi-même remis en cause. Ça viendra peut-être, moi je suis d'accord avec vous, qu'un gouvernement qui ne descend pas dans les arènes de communication perd une grande occasion d'expliquer son programme, sa pédagogie, ne serait-ce que pour déjà fidéliser les siens, et puis peut-être des arguments à ceux qui veulent les défendre, et animer la vie politique. Critiquer, c'est très sain dans une société. Il n'y a pas de politique sans pouvoir et sans contre-pouvoir. Il n'y a pas de politique sans contre-pouvoir. Il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. Il faut qu'il y ait des remises en cause. Il faut qu'il y ait des doutes. Il faut qu'il y ait les critiques. Il faut qu'il y ait la liberté d'expression consacrée par la Constitution, mon Dieu. Et donc, la communication fait que le gouvernement plonge. Mais pour que cela se fasse, il faut que les ministres acceptent effectivement d'être au service des médias et des associations, parce que c'est le rôle d'animer la vie politique. C'est aussi le rôle de l'opposition qui aujourd'hui est totalement assommée et qui ne s'est pas organisée, non pas en tant qu'opposition globale et intégrée, parce qu'il est absolument, de par son ADN, il est incapable de le faire, mais au moins que dans la perspective des régionalisations à préparer, les pouvoirs régionaux à préparer, etc., que les partis politiques bougent à la base, bougent pas simplement à Rabat. Je crois qu'effectivement, le gouvernement a intérêt à communiquer plus et mieux par tous les canaux, y compris le digital, qui aujourd'hui constitue un instrument important. C'est le fait que le gouvernement se réclame du rapport de la Commission sur le nouveau modèle de développement devrait l'alerter sur le fait que ce rapport même souligne la crise profonde de confiance entre la société et l'État, entre les citoyens et l'action politique, l'action gouvernementale. Aujourd'hui, dire que le gouvernement travaille, qu'il prend des décisions, qu'il prend des mesures qui vont dans le bon sens, mais sans communiquer autour de ces mesures, sans associer ceux qui sont concernés par ces décisions, au final, ne fait qu'accentuer et qu'aggraver cette crise, en réalité, cette crise de défiance. Le manque de travail politique, que ce soit en termes d'associer les autres acteurs sociaux, syndicaux, le fait de ne pas faire ce travail de pédagogie, associé au fait que sa genèse, la genèse de ce gouvernement, sa légitimité est plutôt issue d'un arrangement qui est une émanation de l'État, une émanation du pouvoir, il faudra faire en sorte, en tout cas, à ne pas s'étonner si demain on a des mouvements protestataires qu'on a déjà vus. On a vu qu'il y avait des manifestations à Fès en novembre, des mobilisations autour du pass vaccinal autour de la cherté de la vie, et qui fait que ces mobilisations aujourd'hui n'ont pas de répondants, n'ont pas de vis-à-vis, n'ont pas d'interlocuteur qui aujourd'hui fera cette interface
entre l'État et la société, entre les gouvernants et les mouvements protestataires. Et s'il y a ces mouvements protestataires, c'est parce que justement, il n'y a pas de prise en charge institutionnelle, il n'y a pas de représentation institutionnelle de ces protestataires. Et tant que il n'y a pas de réponse qui est apportée à cette crise de confiance, l'impact du gouvernement restera toujours très limité. C'est Ben Chkron, est-ce que vous aurez le mot de la fin? Sur ce point, on est d'accord. Mais c'est le cas de la France, de la grande démocratie, qui les gens se sont éloignés des partis politiques et le pouvoir de M. Macron a négligé les corps intermédiaires et on a eu le gilet jaune. Donc tout ça, c'est ce qu'il faut éviter. Sur la question des secrétaires d'État, selon notre lecture, il n'y a pas de scoop, on n'est pas en délit d'initié, il semble qu'ils ont été conçus justement après les 100 jours, pour voir les départements, parce qu'il y a des départements qui sont trop gros et qu'il faut rajouter un secrétaire d'État, soit à la jeunesse, soit à la culture, soit aux Marocains résidant à l'extérieur, au niveau de ministère, pour permettre au ministre d'aller plus vite, etc. Voilà. Et il semble qu'il serait de l'ordre de 5 et qu'on attendra un conseil des ministres pour... les connaître. Voilà, merci. Merci encore Youssef Blel, Driss Khrouz, M. Ben Chkron d'avoir été avec nous. Yassine Okecha n'a finalement pas pu se joindre à nous, mais merci à vous trois et puis merci à vous, soit ici, soit sur les réseaux sociaux, de nous avoir suivis. Et puis à bientôt.